de ma patrie. Bleu, blanc, rouge, les couleurs de la France, symbole de liberté, espérance. Ensemble, nous lui donnons notre amour. Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC. Organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, de One Point, architecte de la transformation des entreprises et de la modernisation des États, et en partenariat avec le journal La Tribune. Étoile montante du Rassemblement national, Jordan Bardella, vous êtes en quelque sorte le Mbappé de la politique française. Car il faut dire qu'à l'instar du natif de Bondy, vous battez des records de précocité. Lorsque vous venez au monde en 1995, Jean-Marie Le Pen se remet tout juste de sa défaite au premier tour de l'élection présidentielle. Il aurait sûrement frôlé la crise d'apoplexie en apprenant que c'est au cœur de ces banlieues qu'il dénigrait que venait de naître celui en qui le parti place aujourd'hui le plus d'espoir. D'origine italienne, vous grandissez en effet à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Très tôt, vous êtes témoin de la misère sociale de la banlieue. Vous décidez alors de vous impliquer dans la vie civique pour apporter des solutions concrètes aux problèmes du quotidien. En 2012, à 16 ans seulement, vous entrez dans les rangs du Front National. Votre engagement prend place sur le terrain, au cœur des quartiers qui vous ont vu grandir, en collant des affiches dans la cité des Bosquets, à Montfermeil, pour lutter contre, je vous cite, la submersion migratoire et le communautarisme. Élève brillant, vous obtenez une bourse au mérite. Une fois le bac en poche, auréolé d'une mention très bien, vous poursuivez vos études avec une licence de géographie, passionné par les dynamiques sociales et territoriales de la France périphérique. En parallèle, votre engagement politique ne faiblit pas. Vous raflez coup sur coup les postes de secrétaire départemental du FN en Seine-Saint-Denis et de conseiller régional d'Île-de-France. À seulement 20 ans, on mesure déjà la hauteur de votre ambition grandissante. Engagé auprès de la jeunesse, vous lancez dans la foulée le collectif Banlieue Patriote, qui se donne pour objectif de rompre avec la politique de la ville et de tendre la main aux électeurs des territoires perdus de la République. Dans un manifeste pour une République apaisée, vous abordez des thématiques qui vous sont chères, comme les questions de sécurité, d'éducation ou encore d'identité. Vous vous postez en défenseur de la justice sociale et de la méritocratie républicaine et luttez contre la criminalité et contre toutes les formes de communautarisme. On perçoit déjà votre fibre sociale. Vous vous postez en sauveur du petit peuple, défenseur de la veuve et de l'orphelin, à l'écoute des laissés pour compte. Les années passent et vous continuez de gravir les échelons du parti à vitesse grand V. Porte-parole du Rassemblement national en 2017, directeur de Génération Nation en 2018. Aucun obstacle ne semble vous résister dans la conquête du sommet. Votre ascension fulgurante connaît toutefois quelques coups d'arrêt, notamment vos défaites aux élections départementales de 2015 et aux législatives de 2017. Qu'à cela ne tienne, vous emmagasinez de l'expérience et commencez à vous faire un nom dans le milieu. L'apothéose de votre jeune carrière est finalement atteinte en 2019, lors des élections européennes, pour lesquelles vous conduisez brillamment votre liste à la victoire à tout juste 23 ans. Vous devenez par la même occasion le deuxième plus jeune élu de l'histoire du Parlement européen. Encore un record. Tout juste investi, vous êtes nommé deuxième vice-président du Rassemblement national et intégrez le bureau exécutif du parti. Après cet exploit, vous enregistrez une vraie hausse de popularité auprès du grand public, qui apprécie surtout votre éloquence et votre sérénité lors des débats médiatiques. Précoce, ambitieux, ce n'est pas pour rien que vous battez à nouveau un record ce soir, celui du plus jeune invité de l'histoire des mardis de l'ESSEC à prendre place dans ce fauteuil rouge. Précoce, ambitieux, mais aussi loyal, ou plutôt devrais-je dire docile, car oui, vous surprenez également par votre allégeance totale et inconditionnelle à votre mentor Marine Le Pen, pour laquelle vous vous êtes d'ailleurs engagé au sein du Rassemblement national, plus que pour le parti lui-même. Il est vrai que l'on ne vous voit que très rarement, si ce n'est jamais, sortir de la ligne imposée par la chef du parti. Il n'a qu'à regarder vos interviews pour constater que vous reprenez mot pour mot ces éléments de langage. Cette impossibilité à sortir du moule joue en votre défaveur. Vous êtes tantôt qualifié de oui-oui, tantôt de marionnette, ou encore de petit soldat aux ordres de Marine Le Pen. Véritable machine médiatique bien huilée, promouvant le Rassemblement national mieux que ne sait le faire n'importe quel autre membre du parti, vous ne faites pour autant d'ombre à personne. C'est à se demander s'il vous est déjà arrivé d'avoir quelques opinions personnelles, tant votre posture confine à la vassalité. Celle-ci va jusqu'à inspirer à vos observateurs un charmant bestiaire et des plus fleuris, poulet de grain, coq de combat ou encore lionceau du marinisme. D'autant que ces critiques n'émanent pas seulement de l'opposition, mais également de votre propre parti, où plusieurs membres n'hésitent pas à remettre en cause votre manque d'expérience, d'envergure ou encore de densité pour assumer un tel statut. Loin de moi l'idée de vous faire un procès sur la jeunesse. Au contraire, elle vous permet d'incarner un certain renouveau au sein de la classe politique française, un vent de fraîcheur vierge de tout relent de scandales judiciaires. Adroit dans le jeu politique, vous êtes en effet rarement inquiété, si ce n'est pour une affaire d'emploi fictif, en raison d'un usage irrégulier de votre indemnité d'assistant parlementaire. Vous êtes finalement blanchi, ce qui vous permet de rendre une copie quasi parfaite. Séduisant dans le discours, vous êtes ainsi devenu l'un des joueurs clés de la tactique du Rassemblement national, en raison de votre capacité à donner au parti une image lissée, un côté ouvert qui lui manquait tant. Votre jeunesse et votre enthousiasme inspirent un certain espoir et aplanissent les clivages. Mais nous sommes aussi en droit de nous demander, Jordan Bardella, êtes-vous vraiment autre chose qu'un pur produit marketing, plus qu'un simple instrument, certes utile, au service de l'idéologie du Rassemblement national? Si l'ascension de cette montagne force le respect, ne risque-t-elle pas d'accoucher finalement d'une souris? Alors, à moins de 2 ans de l'élection présidentielle, vous êtes plus que jamais l'une des figures politiques françaises avec laquelle il va falloir compter dans les années à venir. Votre ascension fulgurante fait de vous l'un des candidats les plus sérieux, à seulement 25 ans. Soutien indéfectible de Marine Le Pen, rester numéro 2 n'est pourtant pas dans votre tempérament, et votre ambition vous poussera sûrement à voler de vos propres ailes d'ici quelques années. Votre chemin semble déjà tout tracé. Chef du Rassemblement national, candidat à la présidentielle, et pourquoi pas président de la République. Mais attention, toutefois, à ne pas brûler trop vite les étapes, à vous voir calife à la place du calife. Votre proximité avec les cadres de la famille Le Pen, qui vous permet aujourd'hui d'occuper un poste de premier plan au sein du parti, pourrait également se retourner contre vous, à l'image de Marion Maréchal-Le Pen, qui a choisi de ne pas soutenir votre candidature lors des élections européennes. À capter toute la lumière, vous deviendriez potentiellement gênant. D'autant qu'un parti héréditaire comme le Rassemblement national n'acceptera pas si facilement de sacrer un simple roturier. Quel choix s'offre alors à vous pour atteindre votre objectif ultime? Vous pourriez déjà songer à troquer votre nom pour un patronyme sonnant plus breton, comme Bardellec, par exemple. Ou bien, vous pourriez épouser Marion, la petite fille du seigneur du coin, afin de récupérer une dot avantageuse. Ou alors, carrément, faire le ménage en éliminant tous les prétendants au trône dans un scénario macabre à la noblesse oblige. Enfin, décision sûrement la plus sage, vous pourriez quitter le fief lepéniste et fonder votre propre parti, où vous pourrez brandir fièrement vos opinions sans crainte de représailles. Alors, fils spirituel et digne successeur de Marine Le Pen à la tête du Rassemblement national, ou bien utile homme de main qu'on écartera aussi vite qu'il est arrivé? Quel destin l'avenir vous réserve-t-il? Hegel disait « La jeunesse se représente comme une chance de quitter son chez-soi et d'habiter avec Robinson une île lointaine. » À vous de nous dire, Monsieur Bardella, quel est votre chez-vous? Et si vous oserez un jour mettre les voiles et vous émanciper comme Robinson, au risque de disparaître de l'horizon de la vie politique française. Cher public, les mardis vous souhaitent un excellent débat. Monsieur Bardella, bonsoir et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci à vous. Avant d'aborder les sujets de fond, vous disposez d'un bref droit de réponse à la présentation qui a été faite de vous par Baptiste. Alors, écoutez, j'espère avoir l'occasion de vous démontrer que je ne suis pas un produit marketing, que je ne suis pas creux. J'espère pouvoir tenir les 1 heure de questions sans partir en pleurant avant la fin de la soirée. Voilà, eh bien, écoutez, merci, je suis très heureux d'être ici. Je crois que c'est la première fois que vous recevez quelqu'un du Rassemblement national. Je répondrai avec franchise à l'ensemble de vos questions. Et encore une fois, merci de votre invitation. Habitués aux matinales radio et aux plateaux télé, nous souhaitons nous concentrer sur des sujets de fond plutôt que sur l'actualité brûlante. Donc ce débat se déroulera en 4 temps. Dans un premier temps, nous nous adresserons à Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national, pour aborder les sujets concernant votre parti. Puis nous nous adresserons à Jordan Bardella, député européen, sur les sujets économiques à l'échelle du continent et du pays. Puis nous nous adresserons à Jordan Bardella, personnalité politique, pour essayer de discerner vos convictions et vos valeurs. Et enfin, nous nous adresserons à Jordan à travers des questions un petit peu plus personnelles. Donc la première partie, le Rassemblement national, quel horizon ? Jordan Bardella, vous êtes aujourd'hui vice-président d'un parti au bord de la banqueroute, avec plus de 24 millions d'euros de dettes accumulées. Le 25 décembre dernier, vous avez échappé de peu dans une procédure complexe à une liquidation judiciaire. Depuis que Marine Le Pen était à sa tête, le RN n'a présenté qu'un seul résultat excédentaire. Ce qui amène un ancien conseiller régional des Hauts-de-France, André Murawski, qui a depuis quitté le parti, a énoncé que si Marine Le Pen n'est même pas capable de gérer un parti, on la voit mal s'occuper du budget de la France. Ma question est donc la suivante. Votre gestion financière du RN rend-elle crédible vos ambitions présidentielles? Alors, par quoi commencer? D'abord, la situation financière, bon, je ne veux pas la langue de bois, mais la situation financière du Rassemblement national est quand même très très largement dépendante du fait. Vous savez que pendant l'élection présidentielle, notamment la dernière élection présidentielle, Marine Le Pen est la seule candidate, je dis bien la seule candidate qui s'est présentée au suffrage des Français, à ne pas avoir eu de prêt de la part du système bancaire. Alors nous avons dû évidemment lancer un emprunt auprès des Français, mais c'est vrai que cette situation qui perdure depuis un certain nombre d'années dans la vie politique, qui veut que le premier parti de France ne trouve pas de financement auprès des banques, nous a fait accumuler un certain nombre de dettes, puisque les gens qui nous ont prêté, nous leur devons encore aujourd'hui de l'argent. Il y a des procédures d'étalement, mais je vous rappelle que la dette du Rassemblement national est toujours 2 fois inférieure à la dette des Républicains. Donc nous sommes effectivement tributaires de ce système. Je vous rappelle que La République en marche a été élue également sur cette promesse de la Banque de la démocratie qui avait été promise par François Bayrou notamment lorsqu'il a rejoint, dans son accord, lorsqu'il a rejoint avec le MoDem La République en marche. Or, c'est vrai que cette Banque de la démocratie qui avait été proposée aux parlementaires n'a jamais été mise en place et il y a un véritable problème aujourd'hui de financement de la vie politique et pour une raison très simple, lorsque vous vous présentez aux élections, lorsque vous faites plus de 5%, vos comptes de campagne sont remboursés. Lorsque les banques vous prêtent avec intérêt, les intérêts sont remboursés par la Commission nationale des comptes de campagne. En revanche, lorsque ce sont des particuliers qui vous prêtent, eh bien, les intérêts ne sont pas remboursés. Et donc, du coup, nous devons effectivement encore de l'argent à beaucoup de gens qui nous ont prêté. Il y a des procédures d'étalement. Maintenant, je note que les faux procès qui nous ont été faits sur le financement qui aurait été soi-disant illégal de nos campagnes, nous avons systématiquement gagné au tribunal. Donc les procès étaient peut-être davantage politiques que censés et factuels. Le projet d'une banque de la démocratie, ça a été abandonné sous Nicole Belloubet, mais elle a mis en place un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques. Est-ce que vous y avez fait appel? Oui, mais qui ne sert à rien. En l'état, le médiateur est un moyen qui a permis de se substituer à la banque de la démocratie, mais qui n'a pas grande utilité dans la mesure où... moi, je veux bien qu'on nous fasse tous les reproches, qu'on nous combatte sur le terrain politique. Maintenant, ça devrait indigner tous les gens qui sont attachés à la démocratie que le premier parti de France, en tout cas si on croit le résultat des dernières élections européennes, que le premier parti de France à la proportionnelle ne trouve pas de banque pour pouvoir se financer quand tous les autres candidats, y compris M. Mélenchon d'ailleurs, avaient pu trouver un prêt auprès d'un établissement bancaire. Mais n'est-ce pas un peu facile de limiter la question de votre gestion financière à celle effectivement de la banque de la démocratie, qui est une vraie question, mais... Votre gestion financière peut aussi s'expliquer par l'hémorragie du nombre d'adhérents depuis la dernière élection présidentielle et la défaite de Marine Le Pen. Vous serez passé environ de 83 000 adhérents à environ 30 000 aujourd'hui ou 40 000. Et une hausse considérable des dépenses du Rassemblement national, avec une explosion de près de 284% de vos dépenses entre 2011 et 2017. Explosion des dépenses parce que le niveau électoral du Rassemblement national en 2011 n'était évidemment pas le même que le niveau du Rassemblement national aujourd'hui, qui nécessite des locaux supplémentaires, qui nécessite de l'investissement supplémentaire pour les campagnes, qui nécessite des ressources humaines aussi supplémentaires. Et c'est vrai que nous avons un problème aujourd'hui avec le système bancaire. Il y a un autre problème aussi, c'est que le financement des partis politiques, vous le savez, il est déterminé par les résultats que nous faisons aux élections législatives, et notamment par le nombre de parlementaires. Et une deuxième injustice qui nous est faite, mais qui ne concerne pas uniquement le Rassemblement national, qui est celle de faire 11 millions de voix lors de l'élection présidentielle, qui est celle de faire 34% au second tour de l'élection présidentielle, et de n'avoir que 6 parlementaires. Avec Jean-Luc Mélenchon, avec la France insoumise, nous avons fait à deux près de 40% des voix lors de l'élection présidentielle. Nous devons avoir à deux, au bas mot, environ 30 parlementaires, 30 députés à l'Assemblée nationale. Donc, il va falloir à un moment donné qu'on se pose la question du mode de scrutin. Et je pense que c'est l'une des raisons aujourd'hui pour lesquelles les Français se désintéressent de la vie politique. C'est parce qu'ils ont le sentiment que lorsqu'ils votent, leur vote ne se traduit pas derrière politiquement. Et que la France est une exception européenne. On est l'un des seuls pays aujourd'hui en Europe qui n'a pas le système proportionnel, avec l'Angleterre, mais qui a un scrutin majoritaire à un tour, qui est une forme de proportionnel. Et donc cela pose évidemment des problèmes à la fois pour le financement de la vie politique, de représentativité des Français, et c'est en tout cas une exception en Europe. Au-delà de la question institutionnelle, là vous lancez le grand emprunt populaire. Si jamais il ne suffit pas à couvrir vos dépenses pour les prochaines campagnes, est-ce que vous serez prêt à recevoir de l'argent venant de l'étranger, comme ça a été le cas par le passé? Alors, l'honnêteté m'oblige à vous dire que nous n'avons pas eu le choix. Que lorsque nous avons souhaité financer, si vous ferez écho concrètement au prêt qui nous avait été fait par une banque tchéco-russe, lors des élections régionales de 2015, nous nous sommes tournés encore une fois, comme lors de la présidentielle, vers le système bancaire. Aucune banque française n'a souhaité nous prêter. Donc nous nous sommes donc tournés vers des banques étrangères parce que nous n'avions pas le choix. Mais nous avions toujours dit, si une banque française demain matin décide de jouer le jeu de la démocratie, et d'ailleurs les banques sont extrêmement frileuses depuis notamment l'affaire Big-Malion, mais si une banque française décide de nous prêter, évidemment que nous irons vers une banque française. Maintenant, pour les prêts qui nous sont faits généralement à l'étranger, généralement vous changez de monnaie, donc vous changez de devise, et donc évidemment les intérêts qui sont appliqués sont des intérêts très très hauts qui ne se font pas évidemment à prix d'amis. Donc pendant l'élection européenne, nous nous sommes tournés vers les Français. Moi, je me suis tourné vers les Français, je leur ai dit, pour financer la campagne du Rassemblement national, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour financer la campagne, pour financer les meetings, pour financer les gens qui vont travailler durant la campagne sur l'équipe de campagne. Et donc, les Français m'ont prêté de l'argent, nous avons été élus, nous avons fait plus de 5%, l'État m'a remboursé, et donc j'ai remboursé ensuite les gens qui nous ont prêté. Généralement, c'est un système qui fonctionne assez bien, puisque les taux d'intérêt que nous appliquons sont de l'ordre de 6%, c'est-à-dire quasiment 10 fois plus que le livret A, et donc c'est très intéressant pour les Français. Mais au-delà de ça, il y a même plus que des gens du Rassemblement national qui nous prêtent. Il y a des gens qui sont LR, qui sont à gauche, des gens qui sont moins politiques que nous, mais qui considèrent comme une injustice le fait que le premier parti de France ne puisse pas se financer librement. Et on sent aussi dans les dernières déclarations des responsables du Rassemblement national, Marine Le Pen ce matin encore, qui disait accepter peut-être des têtes de liste hors du RN pour les élections régionales, que le parti en lui-même n'est plus une fin en soi. Est-ce que vous n'allez pas utiliser ces difficultés financières pour parachever la dédiabolisation en soldant le RN finalement? Non, pas du tout. D'ailleurs, le fait que des gens viennent de l'extérieur ne change en rien cela. Lorsque vous déposez votre candidature à la préfecture, le parti politique auquel vous êtes rattaché reste le Rassemblement national. Mais c'est vrai que d'une manière générale, le mouvement a énormément évolué après l'élection présidentielle de 2017. Il y a eu le changement de nom, on a fait un certain nombre de modifications en interne. Et surtout, on a décidé de faire cette révolution culturelle qui visait à ouvrir le Rassemblement national. Il y a une grande recomposition qui s'est ouverte à l'issue de l'élection présidentielle de 2017, où on a vu s'effondrer les deux grands partis qui ont structuré la vie politique depuis 40 ans, à savoir l'UMP et le Parti socialiste, qui se sont complètement rétamés lors des élections européennes, pour faire émerger deux grands blocs, dont on parlera peut-être plus tard, qui sont le bloc pour reprendre la définition de Jérôme Sainte-Marie, le bloc élitaire d'un côté qui est porté par Emmanuel Macron, qui défend une certaine forme de mondialisation que moi je considérais être comme sauvage, des transferts de souveraineté toujours plus importants vers l'Union européenne. On y reviendra plus tard. Et le bloc populaire, populiste, et si être populiste c'est défendre le peuple, alors j'en accepte l'étiquette, qui basons notre programme autour de l'idée de nation. Et face à cette recomposition, c'est vrai qu'on assume aussi de faire venir des gens qui ne sont pas forcément issus du RN, comme le fait d'ailleurs La République en marche, c'est peut-être l'un des seuls points d'accord qu'on a avec eux. Vous avez utilisé le terme de révolution culturelle. Mao l'avait utilisé pour solder l'héritage. Est-ce que vous n'allez pas faire la même chose en soldant le poids donc du Rassemblement national qui est issu du Front national? Le terme que vous avez utilisé est vraiment révélateur de ça ou pas? Je pense que les partis politiques ne sont pas des fins en soi, je pense que ce sont des outils. Ce sont des outils pour arriver au pouvoir. Ce sont des outils qui vous permettent de structurer des départements, de structurer des fédérations, de mettre en place un certain nombre de listes, d'élus lors des élections. Mais j'ai jamais considéré que le parti était une fin en soi. Et je pense que la politique, ça s'incarne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans la présentation qui a été faite tout à l'heure, à juste titre, moi, j'ai davantage rejoint lors de la présidentielle de 2012, où j'avais 16 ans à l'époque, j'ai rejoint plus Marine Le Pen que le Front National à l'époque. Mais c'est vrai que les partis politiques sont amenés à disparaître une fois tous les 5 ans lors de l'élection présidentielle, où finalement, selon la tradition gaullienne, selon la tradition gaulliste, la Ve République veut que la présidentielle soit la rencontre entre un homme ou une femme d'État et le peuple français. Et donc, dans ce cadre-là, les partis politiques disparaissent, mais c'est vrai qu'il reste quand même des soutiens importants en termes de militants, d'élus, de cadres, d'idées, parce qu'on est aussi un parti dans lequel on produit énormément de livres blancs, de livres thématiques, qui visent à enrichir le programme du Rassemblement national. Et donc c'est vrai que dans ce cadre-là, les partis sont indispensables, mais ils ne sont évidemment pas suffisants pour conquérir le pouvoir. Avant d'évoquer, donc vous venez d'évoquer l'élection présidentielle, on va évoquer d'autres rendez-vous électoraux que le Rassemblement national a eu à affronter. Donc d'abord les élections municipales. Voilà, c'est ça, vous avez parlé d'implantation locale. Au soir des élections municipales, Marine Le Pen s'était félicitée d'une grande victoire, notamment avec la prise de Perpignan par Louis Alliot. Sauf que donc, la Fondation Jean Jaurès a identifié un recul de votre implantation locale avec la diminution de près de 40% du nombre de listes présentées par rapport aux élections municipales de 2014. Est-ce que l'élection de Louis Alliot n'est pas l'arbre qui cache la forêt sur votre implantation locale ? Alors nous avons été au municipal, le parti politique qui a présenté, tout ça est vérifiable, hein, mais qui a présenté sous ses couleurs le plus de listes lors des élections municipales. C'est-à-dire que généralement on avait affaire à des candidats divers droite, des candidats qui étaient soutenus par toute une panoplie de partis dont les gens n'ont jamais entendu parler. Alors je ne parle pas de l'UDI et le LR, mais d'autres petits partis qui viennent accompagner la droite ou la gauche, etc. Mais on est le parti politique qui avait présenté le plus de listes sous nos couleurs, sous notre parti. Après, c'est vrai que ces élections municipales, elles ont évidemment été impactées par le Covid. On sort d'une élection européenne qui a connu un rebond historique de participation, qui a d'ailleurs légitimé nos victoires, ce qui empêche d'ailleurs à certains de dire qu'à chaque fois qu'on est élu, c'est avec l'abstention. Les élections européennes démontrent que lorsqu'il y a une poussée de l'abstention, ça bénéficie aussi et largement au Rassemblement national, puisqu'on est arrivé en tête au soir du 26 mai 2019. Mais c'est vrai qu'on a été impacté par la crise sanitaire. Et lorsque le Premier ministre dit la veille aux Français, allez voter mais restez chez vous, ça crée des troubles. Et on est, d'après les sondages qui sont faits par les journalistes, le parti politique dont l'électorat c'est le plus abstenu. Maintenant, tous les maires Rassemblement national qu'on a fait élire en 2014 ont tous été réélus et en grande partie dès le premier tour. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2014, lorsqu'on a conquis des municipalités, c'était la fin des temps, quoi. Je veux dire, à Fréjus, à Hénin-Beaumont, on nous expliquait qu'il allait y avoir des tempêtes, qu'on allait mettre des murs avec des barbelés, que ça allait être terrible. Il n'y a évidemment rien eu de tout ça. Partout on a été élu, on a su baisser les impôts, ramener la sécurité. Et surtout, le plus important pour moi, on a su dépasser la base électorale du Front National. Parce que souvent... Peut-être on aura l'occasion d'y revenir, mais moi je pense que, on parlait de la révolution culturelle, je pense que la bataille des idées, nous l'avons en grande partie remportée. Peut-être qu'on reviendra ensuite au cas par cas sur un certain nombre d'idées. Mais je pense que les Français qui ne votent pas pour nous, encore aujourd'hui, ont des craintes, ont peur vis-à-vis de nous. Et généralement, ces peurs, elles sont de bonne foi. Je ne dis pas qu'elles sont fondées, je dis qu'elles s'appuient sur la caricature qu'on fait de nous. Et plus les gens nous connaissent, plus c'est vrai, cette charge négative qui nous concerne diminue. Et c'est ce qui s'est passé dans les villes qu'on a gagnées en 2014. Parce qu'on a gagné des mairies, on a fait nos preuves, on a bien géré, et des gens qui ne votaient pas pour le Front National à l'époque se sont dit « mais leur politique n'est rien d'autre que du bon sens ». Et on a su élargir notre base électorale de cette manière. Et c'est vrai que la victoire de Perpignan et la victoire de Louis Alliot à Perpignan a été le symbole que ce plafond de verre, il n'existe pas et que, y compris dans des villes de 100 000 habitants, on est capable de l'emporter. Et je l'espère et je le souhaite pour Louis, évidemment, et pour Perpignan de faire nos preuves. Et comment vous expliquez ce recul, du coup ? Ce que vous dites, vous avez... Alors, c'est quoi votre carte ? C'est le nombre de listes qui ont été présentées entre 2014 et 2020. Donc vous nous dites que vous avez élargi la base électorale, elle semble au contraire se rétrécir. Alors vous pouvez nous donner les chiffres plutôt que les petits points bleus, parce que je n'aurai pas le temps de les compter, sinon on est là jusqu'à 5h du matin. Il y a une baisse de près de 40% du nombre de listes présentées. Non, on a dû présenter, je crois qu'on avait présenté 500 et quelques listes, 550, donc dans des villes de plus de 5000 habitants. Là, on parle au global. Je crois qu'on a dû présenter en 2014 environ 500 listes, et là on a dû en présenter 400, je crois, sous les couleurs du Rassemblement national. Mais faites le même schéma avec la République en marche, avec les Républicains, je peux vous assurer que c'est très drôle aussi. Et là, vous verrez aucun point du tout, là. sur les... Bah, La République en marche venait d'apparaître en même temps pour les municipales. Donc la carte, elle n'est pas totalement pertinente. Ouais. On ne peut pas comparer ces deux partis. Oui, sauf qu'ils sont au pouvoir. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Mais donnez les chiffres, parce que là, de compter les petits points, je pense que personne dans la salle... Il y a moins 40%, on vous l'a donné le chiffre. Voilà. Mais c'est marqué où? C'est nous qui vous le disons. C'est vérifiable, comme vous le dites, vous avez avancé des chiffres. Vous pouvez nous faire confiance là-dessus. Ah bah oui, bah, on vous associera au prochain bureau politique, vous nous prépare de... D'accord. Pour revenir à une autre élection régionale, Marine Le Pen vous a nommé directeur de la campagne des élections régionales de 2021. En 2017, le programme de Marine Le Pen stipulait que cet échelon territorial devait disparaître. Quelle stratégie et quels enjeux souhaitez-vous vous donner à cette élection? Donc vous voulez la voir disparaître pourtant. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est le point 6. Oui, mais il faut lire la suite de la phrase. Nous avions dans le programme en 2017 présidentiel qui était de supprimer les régions en tant que telles pour les remplacer par une instance de coordination des départements. Et en fait, on défend une mesure et on défendra dans le cadre de ces élections départementales et régionales, en tout cas je le souhaite, la proposition qui a été formulée par Nicolas Sarkozy, qui n'a jamais été mise en place puisqu'elle avait été supprimée par François Hollande et que je considère comme une bonne mesure, qui est la proposition du Conseil territorial. C'est-à-dire c'était l'idée de faire élire des gens dans les départements, aux élections départementales à la proportionnelle, qui ensuite se réuniraient pour former le conseil régional. C'est vrai que la région... la France a une tradition très jacobine. On n'est pas en Allemagne, on n'est pas en Italie, on n'est pas en Autriche. On a une tradition qui est très très jacobine en France, avec un État qui est centralisé. Et c'est vrai que notre programme, nous, il se basait sur l'échelon de proximité qui était la commune par excellence, dont on considère qu'il faut évidemment renforcer les pouvoirs, parce qu'aujourd'hui, un maire est bien impuissant sur un certain nombre de sujets, parce qu'on a transmis les pouvoirs à l'intercommunalité, parce que c'est plus lui qui gère, c'est l'agglo. Et c'est vrai que bien souvent, les maires, et notamment les maires ruraux, sont un petit peu dépossédés. Et on a vu, notamment dans le cadre des mobilisations des Gilets jaunes, qu'il y avait cette aspiration au local et qu'il y avait cette aspiration à la proximité. Donc, nous souhaitons effectivement voter le Conseil territorial, c'est-à-dire une instance de coordination qui, au niveau régional, regrouperait les élus départementaux. C'est une proposition qui séduit beaucoup d'élus locaux. Mais effectivement, la région, en tant que telle, est une instance qui peut paraître assez loin. Moi, je suis conseiller régional depuis 2015. Je ne suis pas sûr qu'une personne dans cette salle soit capable de nous citer le nom de 3 conseillers régionaux d'Île-de-France, sur les 200 et quelques que compte l'hémicycle. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait un Français qui soit en mesure de vous citer le nom d'un ou deux de ces conseillers régionaux. Donc, notre projet, en tout cas en termes de réaménagement du territoire, il vise à redonner beaucoup plus de pouvoir aux territoires, notamment aux territoires ruraux, et il vise à engager une certaine forme de démétropolisation, parce qu'aujourd'hui on a tout concentré dans les grandes villes. Or c'est vrai qu'on est en train évidemment de dépeupler économiquement, humainement, tous les territoires périphériques. On gagnerait évidemment un rééquilibrage, parce que désaturer les grandes métropoles en faisant de l'incitation fiscale à 30, 40, 50, 60 km de Paris, comme on l'a fait d'ailleurs dans les banlieues il y a quelques années, ça permettrait évidemment de désaturer les métropoles et de rendre service aussi aux habitants des grandes villes en termes de pollution, en termes de prix des loyers qui deviennent aujourd'hui exorbitants dans les grandes villes, évidemment en termes de qualité de vie et d'écologie. Donc vous êtes conseiller régional d'Île-de-France depuis 2015. La grande question est, serez-vous tête de liste en 2021 pour l'Île-de-France? Alors, je suis désolé, je ne vous ferai pas un scoop ce soir ici, mais je ne l'ai pas encore décidé. Vous avez changé d'avis depuis l'entretien? Je ne ferme plus la porte, en tout cas. C'est vrai que l'Île-de-France est un territoire, d'abord, c'est ma région. On peut considérer que à 2 ans de la présidentielle, enfin 17 mois de l'élection présidentielle, il est important pour nous de mettre tous les chevaux dans la bataille. Mais c'est vrai que pour moi, l'Île-de-France, c'est un peu la France en miniature. C'est ma région, je suis élu en Seine-Saint-Denis et j'aime ce territoire parce que c'est, je trouve, l'une des meilleures écoles de la vie. Peut-être on en reparlera un peu plus tard. Donc je ne l'ai pas encore décidé. En tout cas, il y aura beaucoup de... On voudrait aussi donner à d'autres jeunes, notamment au sein du Rassemblement national, parce qu'on est un parti où il y a beaucoup de jeunes élus. On a plus jeune député européen, on a plus jeune député à l'Assemblée, on a eu le plus jeune sénateur jusqu'à il y a quelques semaines, on a fait élire beaucoup de jeunes maires aussi, beaucoup de jeunes élus. Et c'est vrai que cette nouvelle génération qu'on porte, qu'on incarne, qui est assez loin finalement des caricatures qu'on a pu faire pendant des années et des années du Front National, à tort, certains diront à raison, moi je considère que c'est à tort, eh bien on doit aussi leur donner cette chance d'émerger, cette chance qui m'a été donnée lors des élections européennes. Et donc on fera aussi confiance à beaucoup de jeunes qui sont déjà des élus sortants et à qui on souhaite faire confiance pendant ces élections. Et à défaut de nous donner cette exclusivité, est-ce que Marine Le Pen vous l'a demandé d'être tête de liste? Alors, Vous avez dit 100 langues de bois au début. Non, non, mais on en a parlé, ça fait partie des possibilités. Il y a d'autres scénarios sur lesquels on travaille. Vous avez d'autres idées de tête de liste du Rassemblement national en Ile-de-France qui pourraient émerger? Oui, il y en a. Et on fera d'une manière générale dans les 13 régions confiance à des gens qui ne sont évidemment issus du Rassemblement national, mais qui viennent de l'extérieur. Voilà, on l'a fait aux élections européennes, on a fait ce rassemblement avec la droite populaire de Thierry Mariani, Jean-Paul Garraud, on l'a fait aussi avec des gens qui viennent de la gauche, comme Andréa Cotarac, parce que moi, je n'ai pas le sentiment d'être plus de gauche que de droite. Je pense que ce clivage est en train d'évoluer, je pense qu'il y a de bonnes idées à gauche comme à droite. La laïcité est-elle de gauche, est-elle de droite? La défense de la nation en tant que limite, en tant que frontière, est-elle de gauche, est-elle de droite? Le retour de l'autorité, est-ce de gauche ou est-ce de droite? Je pense que notre génération ne se décrit plus comme cela, comme de gauche ou de droite. Et c'est vrai que la force du Rassemblement national est de réussir justement à se situer au-dessus de ces anciens clivages pour parler à des gens qui se reconnaissent dans l'idée de nation. Vous avez fait une transition parfaite, puisqu'on va maintenant évoquer la ligne politique du Rassemblement national. Donc, comme on vient de l'entendre, vous niez le fait d'être un parti d'extrême droite. À 7 mois des élections départementales et régionales, Marine Le Pen a évincé 6 membres de la Commission nationale d'investiture. Ce que certains ont dénoncé comme une purge a largement profité à la frange souverainiste du parti dont vous êtes issus. On a aujourd'hui une question à vous poser. Si vous aviez eu 20 ans dans les années 80 ou 90, vous seriez-vous engagé dans un Front National présidé par Jean-Marie Le Pen? Alors, d'abord, pour répondre à la première partie de votre question, il n'y a aucune purge au sein du Rassemblement national. Il y a simplement eu un remaniement de la commission d'investiture, parce qu'il y a des gens qui ne venaient pas, en fait, en commission d'investiture. Gilbert Collard a admis lui-même n'y être jamais venu en 6 ans, et c'est vrai que comme nous avons 8000 candidats à investir pour les départementales, puisque c'est des binômes de 4 de titulaires de suppléants, nous avons beaucoup de gens à investir pour les régionales, la commission d'investiture se réunit toutes les semaines, et donc il fallait des gens qui aient peut-être un peu plus de disponibilité, en tout cas pour en être. Est-ce que je me serais engagé au Front National dans les années 90? Je ne saurais pas vous répondre. Je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. Mais lorsque je m'engage au Front National en 2012, je le fais, c'est vrai, pour Marine Le Pen, parce que moi, j'ai grandi dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis. Et quand vous grandissez en banlieue, quand vous grandissez en Seine-Saint-Denis, vous avez conscience d'un certain nombre de choses assez vite. Moi, j'ai vu ma mère qui m'a élevé avec un SMIC dans une cité HLM qui est assez connue, dont beaucoup de gens viennent, connaissent cette réalité. J'ai vu ma mère galérer, finir le mois avec 15, 20 euros, et c'est des choses, quand vous êtes jeune, qui vous fait dire « tout cela n'est pas normal ». Voilà. Et c'est vrai que quand vous grandissez en banlieue, vous avez cet intérêt, parce que vous êtes aussi confronté aux problématiques d'insécurité, parce que vous êtes aussi, vous voyez le communautarisme. Moi, la cité dans laquelle j'ai grandi, c'était une cité qui était tenue par le trafic de drogue, où vous aviez des gens qui regardaient, qui entraient dans les immeubles et qui ne sortaient pas pour vérifier que ces gens-là n'étaient pas de la police. Du haut de mon immeuble, j'avais une école coranique en face de chez moi, où je voyais des gamines de 5-6 ans qui sortaient et qui portaient un voile. Donc c'est vrai que vous êtes confronté à ces problématiques qui existent, qui sont des faits de société aujourd'hui assez vite, et vous vous dites... Tout cela n'est peut-être pas totalement normal. Et donc, je me suis intéressé, c'est vrai, très très jeune à la politique. Et j'ai été séduit par la personnalité, le programme de Marine Le Pen. Et donc, j'ai adhéré juste après l'élection présidentielle. Pour vous répondre, quelques instants, je n'ai jamais considéré que le Rassemblement national était un parti d'extrême droite. Je ne le considère pas parce qu'il n'y a rien dans son programme. Et le Front National? Qui justifie non plus. Dans les années 80-90, rien qui ne justifiait le fait d'être un parti d'extrême droite? Non, je ne le crois pas. C'était quelque chose qui était revendiqué. Ah non, c'était pas revendiqué. Aussi. Par qui? Jean-Marie Le Pen. Qui disait je suis d'extrême droite? Oui. Où ça? Je veux dire, il l'a dit. Je veux dire, quand ça? Vous pouvez me prendre... Ok, je vous donne le point. Bon, vous avez 5 minutes pour fact-checker, mais vous allez mettre un peu plus de temps. On va pas non, mais d'une manière générale, moi, je veux bien qu'on ait ce débat, mais je ne vois rien, si vous voulez, dans le programme du Rassemblement national aujourd'hui et du Front national hier qui justifie l'utilisation du terme d'extrême droite. En réalité, aujourd'hui, le terme d'extrême droite, il est utilisé comme un anathème. C'est-à-dire que vous êtes critique sur l'Union européenne, vous êtes d'extrême droite. Vous êtes critique sur l'euro, comme on l'a été une période, vous êtes d'extrême droite. Vous êtes opposé à une politique massive d'immigration, comme 80% des Français dans les sondages. On me dit toujours c'est un sujet qui divise. Non, c'est un sujet qui rassemble, puisque 80% des Français pensent la même chose. Vous êtes un parti d'extrême droite. Je veux dire, il n'y a rien qui, à mon sens... Alors après, je vous laisse me donner des arguments, hein, et j'y répondrai volontiers, qui, dans notre programme, me fait dire que nous sommes un parti d'extrême droite. J'ai le sentiment que nous sommes un parti populaire, populiste. Et en tout cas, je pense que si être populiste, comme je l'ai dit, c'est défendre le peuple, je pense que l'étiquette s'y prête bien. Souverainiste, qui défendons simplement le fait pour le peuple français de reprendre le pouvoir et de reprendre la maîtrise de son destin. C'est vrai sur la démocratie. Je veux dire, si être d'extrême droite, c'est défendre la proportionnelle, c'est défendre le référendum d'initiative que nous on appelle populaire, mais que certains ont appelé citoyenne, de défendre la banque de la démocratie, de défendre la liberté d'expression comme nous l'avons fait. Je veux dire, sur l'affaire Mila, sur l'affaire Charlie Hebdo, je veux dire, on est monté au créneau comme aucun autre parti politique n'a eu le courage de monter au créneau. Là-dessus, j'entends pas les autres. Vous aviez déjà porté plainte, le Front National, contre Charlie Hebdo, sous Jean-Marie Le Pen. Oui, mais on peut considérer dans la démocratie, dans le débat français, on peut considérer qu'un propos est offensant. Et généralement, ceux qui nous accusent d'avoir porté plainte il y a 25 ans, contre Charlie Hebdo, pour des documents qu'on considérait comme offensants, sont les mêmes qui hurlent aujourd'hui sur la présence d'Éric Zemmour sur CNews, etc. Donc c'est toujours la liberté d'expression à géométrie variable. Moi, je pense que la France, c'est le pays par excellence, c'est le pays de Voltaire, c'est le pays de la satire. C'est le pays où la liberté d'expression, elle doit pouvoir s'exercer le plus librement possible. Il n'y a qu'une seule limite, c'est effectivement l'incitation à la haine, l'incitation à la violence. Et on peut avoir des débats juridiques, on peut avoir des affrontements juridiques, mais à un moment donné, il y a des limites à poser. Et donc, je ne vois pas, si vous voulez, ce qui, dans le programme aujourd'hui du Rassemblement national, alors dites-le-moi, donnez-moi un argument, fait que nous serions un parti d'extrême droite. Et puis, je n'ai pas non plus le sentiment d'être plus de droite comme plus de gauche. Je pense que ces débats sont dépassés. Je ne me définis pas non plus comme conservateur, parce que cela voudrait dire que nous ne défendons aucune forme de progrès. Or, quand je nous vois défendre la 5G et que je vois les Verts hurler contre la 5G, eh bien, j'ai plutôt l'impression d'être dans le camp du progrès que dans le camp du conservatisme. Mais, d'une manière générale, je pense que notre programme se traduit par une volonté simplement de permettre aux Français de reprendre le volant de la voiture. Et c'est vrai dans tous les domaines. Et le programme, justement, on peut reprocher au RN d'être un parti très vertical et que le programme, la ligne du RN évolue un petit peu en fonction de l'humeur de Marine Le Pen. Est-ce que c'est possible de tenir une ligne différente de Marine Le Pen au sein du Rassemblement national ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a, vous savez qu'on a des instances, on a un congrès qui, tous les 3 ans, permet aux adhérents de choisir la présidente ou le président du Rassemblement national. Et Marine Le Pen a été élue. Elle va fêter au mois de janvier ses 10 ans à la tête du Rassemblement national. Il n'y a pas de contestation interne. Alors parfois, vous pouvez lire dans les journaux, il y a toujours des offs de gens qui se plaignent en interne, mais il n'y a jamais de gens qui incarnent aujourd'hui une ligne opposée à Marine Le Pen, pour la simple et bonne raison, c'est que la ligne politique de Marine Le Pen, elle est la mienne, elle est celle d'une immense majorité de 99% des adhérents, des militants, des cadres du Rassemblement national. Juste un chiffre, en 2011, lorsque Marine Le Pen est élue à la présidence du Front National, il y a 10 000 adhérents. Vous le rappelez tout à l'heure, à l'aube de la présidentielle, on a 80 000 adhérents. Donc 80% des gens qui sont venus sur la ligne politique de Marine Le Pen. Défendu, notamment créée par Florian Philippot, qui a pourtant quitté le parti. On peut aussi déplorer le fait que Marion Maréchal-Le Pen ait quitté le parti. Est-ce que quand on est vraiment en désaccord avec Marine Le Pen et qu'on commence à devenir une personnalité médiatique, on a sa place au Rassemblement national où on est plutôt mis à la porte? Il y a en plus en politique que ces débats d'idées, il y a parfois des affaires d'ego qui rentrent en jeu. Et le problème qu'a eu, vous parliez de Florian Philippot, c'est que c'est Mazarin qui voulait se prendre pour le roi. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours considéré qu'il pouvait aussi exister en plus avec une ligne politique différente de celle de Marine Le Pen que nous avions partagée ensemble. Mais quand on a un désaccord, je trouve ça bête de s'en aller. Voilà. Quand on a un désaccord, il y a des instances pour l'exprimer. Marine Le Pen a un portable, hein, il faut l'appeler, il faut dire les choses. Mais je ne pense pas que partir Certains préfèrent être numéro 1 d'une petite boutique que numéro 2 au sein d'une grande formation politique. Je trouve ça un peu dommage, mais personne n'est irremplaçable. Et on a en tout cas démontré, avec les gens qu'on arrive aussi à faire émerger, là, depuis 2017. Et en tout cas, je pense être la preuve que le mouvement est capable de donner sa chance à des gens qui ont fait leurs preuves en interne, qui ont gagné leur... qu'on gagnait un certain nombre d'élections, pour parler des élections européennes, ces gens à qui on peut donner une opportunité, une chance. D'accord. Nous allons passer à la deuxième partie du débat, donc sur l'Europe et un petit peu l'économie. Donc en 2019, vous étiez tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes. Vous êtes arrivé en tête des voix et à égalité en nombre de députés européens avec la liste Renaissance de la République en marche. Vous êtes aujourd'hui la quatrième force politique du Parlement européen au sein d'un groupe assez hétéroclite qui avait initialement échoué à s'allier. Comment instaurer une révolution des institutions européennes avec un groupe aux pieds un petit peu fragile ? Parce que nous sommes la France, et que moi je crois beaucoup au poids du couple franco-allemand dans la construction européenne. Et je pense qu'à partir du moment où un dirigeant politique souverainiste arrive à la tête d'un pays comme la France ou comme l'Allemagne et qu'il souhaite imposer une renégociation des traités, il peut imposer une renégociation des traités. Emmanuel Macron et d'ailleurs Angela Merkel l'ont montré sous un plan plutôt fédéraliste que je combats, mais ils ont réussi à montrer en tout cas qu'ils étaient capables d'imposer à l'Europe une vision politique de l'Union européenne qui n'est pas ma vision politique, mais qu'ils arrivent ensemble à l'imposer. Il y a une réalité, c'est que ça fait... 40 ans qu'on nous explique, que les responsables politiques expliquent aux Français que l'Union européenne c'est génial, que l'Union européenne c'est la paix, que l'Union européenne c'est l'amour entre les uns et les autres, que c'est la concurrence à égalité entre les pays les uns et les autres. La réalité c'est que l'Union européenne c'était une promesse, la protection. Et que l'Union européenne a trahi l'intégralité de ses promesses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que nous défendons une construction, une Europe des nations. C'est parce que je suis européen que je suis contre l'Union européenne. Parce que j'ai le sentiment aujourd'hui que l'Union européenne est en train d'affaiblir le pouvoir des nations. La zone euro est la zone économique qui a la plus faible croissance au monde. Et qu'en été, elle organise la concurrence déloyale pour notre économie à l'extérieur avec des accords de libre-échange qui sont négociés dans des conditions hallucinantes avec des pays avec qui nous n'avons pas le même niveau économique, le même niveau social, le même niveau de normes environnementales. Et tout cela crée évidemment une concurrence déloyale pour notre économie et par exemple pour nos agriculteurs. Et puis la concurrence aussi à l'intérieur avec, vous le savez, la directive du travail détaché qui permet aujourd'hui à des travailleurs venus d'Europe de l'Est en France de payer, de travailler et de payer les charges dans le pays d'origine. Ce qui évidemment crée une concurrence entre les entreprises mais aussi évidemment entre les travailleurs français et les travailleurs d'Europe de l'Est. Donc nous souhaitons, nous, évidemment, revoir tout cela. Et d'une manière générale, l'Union européenne, aujourd'hui, nous a fait tout rater. Voilà, elle nous a fait rater la transition énergétique, elle nous a fait rater la révolution technologique, et notamment celle de la 5G. Et pendant que nous, on fait monter Greta Thunberg à la tribune de la Commission européenne, la Chine est déjà sur la 6G, et les États-Unis... Vous avez vu Elon Musk il y a quelques jours qui a présenté sa puce cérébrale qui permettrait demain de guérir peut-être Alzheimer ou Parkinson. Donc on a accumulé énormément de retard aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Et c'est vrai que si on ne réforme pas aujourd'hui les traités européens pour aller vers cette coopération entre nations, nous on défend une coopération à la carte. On n'est pas contre l'Europe, on veut une autre forme d'Europe. Parce que l'Europe, à la base, il ne faut pas oublier ce qu'est l'Europe. L'Europe, c'est une civilisation commune. L'Europe, c'est une histoire commune. L'Europe a inventé les nations. La France est peut-être la plus vieille nation du monde. Elle existe depuis le baptême de Clovis. Et faire l'Europe sans les nations, c'est faire l'Europe sans l'Europe, en réalité. On peut pas nier l'existence de... Il n'y a pas un peuple européen, il y a des peuples européens. Et je considère aujourd'hui que l'Union européenne est en train de détruire ce beau projet européen qui est basé sur une réalité historique. Donc nous souhaitons la changer et se tourner vers une Europe des nations, des coopérations. Et je vous rappelle que ça a marché dans l'histoire. Ariane, Airbus, ce n'est pas le fait de l'Europe de Bruxelles. C'est le fait d'une coopération entre États qui a permis d'aboutir à de grands projets industriels. Et c'est ce que nous souhaiterions aujourd'hui retrouver sur la 5G, sur la 6G, évidemment, puisqu'on a accumulé beaucoup de retard. Et évidemment, pour parler d'écologie, sur la question de l'hydrogène. Cela fait maintenant plus d'1 an que vous avez été élu député européen. Et on vient de l'entendre avec la promesse initiale de rendre l'Union européenne au peuple. Donc comment avez-vous pu concrètement améliorer la vie des Français depuis que vous êtes élu député européen ? Nous avons un groupe qui est le 4e groupe du Parlement européen. Et il est vrai aujourd'hui que notre rôle aujourd'hui est un rôle d'opposition au sein des institutions européennes. Le Parlement européen, il fait sa politique sur une majorité de partis où en fait la droite et la gauche, le PPE et le groupe des socialistes votent quasiment tout en commun. Ils votent les mêmes textes, ils prennent les mêmes orientations politiques. Et on a réussi d'ailleurs, c'est vrai, notamment sur les questions migratoires, à faire échouer un certain nombre de textes qui vidaient encore une fois à déposséder la capacité d'action des nations au profit de la Commission européenne, au profit du pacte européen des migrations dont nous reparlerons peut-être tout à l'heure. Mais d'une manière générale, le seul levier qui peut nous permettre aujourd'hui de changer la construction européenne, c'est l'élection présidentielle. Et on ne peut pas aujourd'hui expliquer aux Français qu'on va mettre en place une politique économique visant à protéger le modèle social. Je vous rappelle que la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, tout cela est écrit noir sur blanc dans les textes de la Commission européenne. On a beaucoup parlé de la crise sanitaire ces derniers jours. Je rappelle que la Commission européenne a demandé à 63 reprises aux États membres de baisser leurs dépenses de santé. Donc la politique aujourd'hui qui est menée par la Commission européenne, elle est brutale, elle impose des réformes dont les peuples ne veulent pas, ça a été vrai sur la réforme de l'assurance chômage, ça a été vrai évidemment sur la réforme des retraites, et donc évidemment tous ces textes nous les combattons au sein du Parlement européen, mais la seule élection qui permettrait de changer cela, c'est évidemment l'élection présidentielle et l'élection de Marine Le Pen. Rapidement, pouvez-vous nous évoquer, on aime bien les questions concrètes au mardi, donc votre plus grand succès en tant que député européen et votre plus grand revers en tant que député européen dans votre mandat? Je vais commencer par le négatif. Le plus grand revers est de ne pas pouvoir en faire assez. Lorsque vous voyez des... J'avais beaucoup parlé d'un cas qui était assez emblématique de la brutalité sociale aujourd'hui de l'Union européenne, qui était le cas d'Arjowiggins, qui était une papeterie dans la Sarthe qui fabriquait les cartes Pokémon et qui était l'une des dernières grandes usines en France à fabriquer du papier recyclé d'une très bonne qualité. Et derrière ça, il n'y avait pas un enjeu économique, il n'y avait pas simplement un enjeu d'emploi, il y avait aussi un enjeu, concret qui était celui du savoir-faire français. Et lorsqu'une entreprise ferme, ce n'est pas seulement des gens qu'on met au chômage, c'est aussi un savoir-faire qui disparaît. C'est un dossier qu'on a beaucoup suivi pendant la campagne européenne, on a été aux côtés des salariés. Ça a été très très long. Aujourd'hui, cette entreprise, elle a pu être sauvée, mais c'est peut-être une réussite. Mais c'est vrai que on regrette à chaque fois de ne pas pouvoir en faire assez. Et on voit aujourd'hui des entreprises fermées tous les jours, partout en France, des entreprises qui ferment. On a dû perdre je ne sais combien de milliers d'emplois industriels ces dernières années parce que l'Union européenne a oublié sa promesse qui était celle de protéger les peuples, que bien souvent les responsables politiques français arrivent devant les Français en disant « je ne peux rien faire de plus, c'est l'Union européenne qui décide ». Et aujourd'hui, intervenir pour défendre une entreprise stratégique, l'État français ne le fait pas, l'État stratège ne le fait pas parce que l'Union européenne l'interdit. Nous, nous défendons le patriotisme économique. On défend et on se bat pour cela, pour que l'État français puisse, par exemple dans la commande publique, donner une priorité aux entreprises françaises, à l'agriculture française. Ça, c'est interdit par l'Union européenne. Dans nos mairies, nous sommes obligés de contourner les réglementations avec des normes environnementales bien spécifiques pour pouvoir le faire, mais c'est extrêmement compliqué. Donc le revers évidemment, l'impossibilité de pouvoir en faire davantage. Et puis, évidemment, le plus grand succès, d'avoir pu aussi participer à la mobilisation pour sauver Arjowiggins. Vous venez de dire que ce que vous regrettez, c'était que les présidents disent qu'ils ne peuvent rien faire car c'est l'Union européenne qui décide. Mais quand on vous interroge sur ce que vous avez pu faire concrètement à l'Union européenne depuis 20 ans, vous nous dites, vous nous répondez, c'est l'élection présidentielle qui comptera pour changer. Et pour pouvoir agir concrètement. Bien sûr, parce que les traités vont se négocier au niveau... les traités se négocieront au niveau des États. Ils se négocieront au niveau du Conseil. Nous souhaitons évidemment renforcer les pouvoirs du Conseil parce que le Conseil, qui est donc la réunion des chefs d'État, qui est l'organe qui incarne le mieux cette Europe des coopérations et cette Europe des nations que nous souhaitons. Malheureusement, c'est vrai que le Parlement européen est devenu une chambre d'enregistrement et a quand même très très peu de pouvoir puisque vous savez que c'est l'initiative législative, c'est la Commission européenne qui l'a et non pas le Parlement européen. Lors de la campagne présidentielle de 2017, Marine Le Pen désirait soumettre au référendum l'appartenance à l'Union européenne. Lors des élections européennes de 2019, la position de votre liste était quand même beaucoup plus nuancée. Oui. Quelle est la position aujourd'hui? Est-ce que c'est justement l'élection présidentielle qui permet tout? Sur l'appartenance à l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je ne suis pas favorable à ce que demain matin nous sortions de l'euro et de l'Union européenne. Je pense que le chef de l'État nouvellement élu devra aller devant les institutions européennes pour récupérer des leviers de souveraineté qui nous apparaissent essentiels. C'est-à-dire que on peut pas, les Français ne peuvent pas nous mettre dans la voiture, mais ne pas nous donner le volant. Et donc à un moment donné, si on veut vraiment redresser le pays, si on veut vraiment prendre un certain nombre de mesures qui sont aujourd'hui dans nos programmes, on a besoin d'aller récupérer ces leviers de souveraineté. Moi, je ne conçois pas que ce soit la Commission européenne qui décide, par exemple, de voter, de faire voter par le Parlement la relocalisation de migrants dans les villes et dans les villages français. Je pense que c'est aux Français, je pense que c'est au peuple français, je pense que c'est à la représentation nationale en France de décider de qui entre et de qui sort du territoire français, et pas à des technocrates qui ne sont pas élus de l'imposer. Donc c'est la souveraineté territoriale. Il faut récupérer la souveraineté budgétaire. Je ne conçois pas non plus que la Commission européenne demande aux États... Déjà, fasse valider le budget. Vous savez qu'il y a la fameuse règle des 3% qui a exigé un certain nombre... Qui n'est jamais respectée. Oui, les sanctions ne sont pas appliquées. Qui n'est jamais respectée de fait parce qu'elle est invraisemblable. Et que les pays, tous aussi différents qu'ils soient, ont chacun leur modèle social, ont chacun leur administration. Et donc, évidemment que lorsque c'est des technocrates à Bruxelles qui imposent des lois qui sont totalement délirantes, évidemment que chaque pays ne peut pas l'appliquer d'une bonne manière. Donc il faut récupérer cette souveraineté budgétaire et il faut récupérer la souveraineté économique. Nous devons pouvoir faire du patriotisme économique, ce que je vous disais juste avant. On doit pouvoir aujourd'hui, dans la commande publique, par exemple, pour être concret, dans les cantines des collèges, des écoles, des lycées, on doit pouvoir donner une priorité à l'agriculture française. Aujourd'hui, vous avez 75% du bœuf dans la restauration qui est d'origine importée. Eh bien, nous, on souhaite justement inverser cela. Et c'est vrai que le programme du Rassemblement national est un programme de localisme par opposition au globalisme et vise, c'est vrai, à pouvoir produire chez nous tout ce qu'on peut raisonnablement produire. Moi, je me réjouis que pendant la crise, on ait enfin compris qu'il était délirant de délocaliser des filières aussi stratégiques que celles des médicaments. Les délocalisations de médicaments ont été multipliées par 20 ces 10 dernières années. Eh bien, je ne conçois pas que sur des secteurs aussi stratégiques que ceux de la santé, on soit dépendant de pays comme la Chine, alors qu'on pourrait avoir des filières en France, parce que en temps de crise, eh bien, on se rend compte qu'on est dans l'incapacité, par exemple, de fabriquer des masques, et que les Français paient tellement d'impôts en France qu'on n'a même pas d'argent pour fabriquer des masques. Donc tout cela est évidemment délirant. Nous, on souhaite inverser le coût de la distance, et on veut faire en sorte que ce soit pas plus vous allez chercher loin, moins votre produit est cher. On veut que ce soit l'inverse pour que ça puisse évidemment bénéficier à l'économie française. Donc pour être très clair, pas de Frexit, mais une renégociation des traités. Vous avez été très clair. Okay. Si la renégociation échoue, si jamais Marine Le Pen, même élue présidente, n'arrive pas à imposer... Je ne peux pas concevoir que la renégociation échoue. Si demain matin, vous décidez d'instaurer une loi de patriotisme économique, de protection des marchés publics, comme le font d'ailleurs toutes les grandes puissances du monde. La loi est inférieure au traité. Eh bien voilà, c'est ce qu'il faut changer. Parce que moi, je crois dans la supériorité du droit national sur le droit européen. C'est un principe dont on peut discuter. La République en marche n'est probablement et sans doute pas sur cette position. Mais moi, je crois dans la supériorité du droit national sur le droit européen. Vous ferez une réforme constitutionnelle ? Parce que je reconnais, bien sûr, parce que je reconnais une légitimité, pas à des technocrates que les gens n'ont pas élus à Bruxelles, mais aux gens qui ont été élus. Parce que pour faire cela, on a un mandat du peuple français. Ce matin, j'étais sur LCI et il y a un auditeur qui prend la parole et qui me dit « Mais quelle est votre légitimité pour parler de sécurité ?» Je lui dis « Ma légitimité, c'est que j'ai été élu. Et qu'en démocratie, ça fonctionne comme ça. » Et vous ne pouvez pas demander, encore une fois, je reprends mon exemple, à des gens de conduire une voiture s'ils n'ont ni le volant ni le levier de vitesse. Donc je crois, moi, beaucoup à la supériorité du droit national sur le droit européen, et c'est évidemment cela qu'il faut changer. Mais donc si vous échouez à renégocier le traité européen, que vous faites une réforme constitutionnelle pour affirmer la primauté de la loi sur les traités, c'est une sortie de l'Union européenne sous un autre nom. Non, parce que voyez bien qu'aujourd'hui, l'Union européenne est contestée de toutes parts. Et qu'à partir du moment où la France va dire « OK pour participer d'un espace économique commun, OK pour se mettre autour de la table sur les grands projets, les grands défis, et on y reviendra probablement, qui sont ceux du XXIe siècle. » Mais chaque pays doit pouvoir décider de ce qui est bon pour lui. Quand vous rentrez chez vous, le soir, là, peut-être à côté, vous n'allez pas exiger de votre voisin de sa couleur du micro-ondes, vous n'allez pas exiger que ses murs soient blancs plutôt que bleu marine. Donc à un moment donné, il y a ce principe-là, qui fait qu'on peut se mettre autour de la table sur des projets communs, mais que sur les trucs les plus élémentaires, que sont le budget, la maîtrise des frontières, la politique migratoire, le patriotisme économique, eh bien que ce soit les États membres qui aient la possibilité de faire cela. Donc je vais reprendre votre analogie. Donc pour conduire, il faut le volant, le levier de vitesse, il faut aussi le permis. Et si ces autres pays de l'Union, j'en sais quelque chose, si les autres pays de l'Union européenne refusent de négocier, ils ne veulent pas négocier, on sort de l'Union européenne? Mais vous voyez bien que l'Union européenne aujourd'hui n'est pas l'Union européenne de François Hollande, d'Angela Merkel il y a 10 ans. Et que quand vous voyez le groupe de Visegrad, quand vous voyez la poussée des partis souverainistes partout en Europe, l'Union européenne n'est pas en position de force. Et le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle se construit... Vous êtes la 4e force politique. C'est qu'elle se construit dans le groupe au Parlement européen. Au Parlement européen. Mais si nous arrivons à la tête de l'État français, ça change quand même la donne. Parce que la renégociation des traités, elle se fait au niveau du Conseil et pas au niveau du Parlement européen. L'Union européenne, aujourd'hui, elle se construit contre les peuples. Je vous rappelle juste qu'en 2005, on a demandé l'avis des Français sur la Constitution européenne. Ils ont refusé, ils ont dit non à 55%. Et le PS et l'UMP, à l'époque, ont quand même fait passer en force la Constitution européenne, 2 ans plus tard, malgré l'avis des Français. Que... Monsieur Juncker, l'ancien président de la Commission européenne, nous a dit clairement, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de choix démocratique contre les traités européens. Eh bien nous venons lui dire s'il y a un choix démocratique. Et ce choix démocratique, c'est celui des peuples, qui majoritairement aujourd'hui, partout en Europe, sont en train d'exprimer une contestation. On a beaucoup parlé des frugaux dans la négociation du plan de relance européen, fait que les peuples aujourd'hui ne souhaitent pas évidemment poursuivre sur cette lignée. Donc je pense qu'on a à peu près compris votre position sur le Frexit. Maintenant, on va passer à votre programme économique. Le cœur de votre programme économique lors de l'élection présidentielle était le fait de mettre fin à la monnaie unique. C'était un élément clé de votre programme et un élément fédérateur de votre électorat qui a pourtant mené à la perte de crédibilité de Marine Le Pen dans le débat de l'entre-deux-tours. Lors des élections européennes, vous avez fait un volte-face sur le sujet. Est-ce que ce changement à 180 degrés de votre politique économique relève d'une position purement électoraliste ou va-t-elle s'inscrire dans une démarche de fond puisqu'elle est toujours, le fait de quitter l'euro est toujours présent sur votre site internet? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien dire sans que ce soit taxé d'électoralisme. Alors, il y a une réalité aujourd'hui, c'est que les Français sont très critiques sur l'Union européenne, ils sont très critiques sur la construction européenne, mais ils ne veulent pas sortir de l'euro. Ils ne veulent pas sortir de l'euro. Ils nous l'ont dit lors de l'élection présidentielle, ils nous l'ont dit dans un certain nombre de sondages d'opinion où on voit bien que cette idée-là, les Français n'y adhèrent pas. Et donc, c'est vrai que résoudre, d'ailleurs, notre simple programme économique à la sortie de l'euro est assez faux. Le cœur de notre programme économique, c'est pour moi, d'abord, le patriotisme économique et surtout, tout pour les TPE-PME. Voilà. C'est-à-dire qu'on a beaucoup fait pour les grands groupes ces dernières années. Le CICE, par exemple, a surtout bénéficié aux grandes boîtes. Les petites boîtes n'en ont pas bénéficié. Or, le cœur nucléaire de l'économie française, ce sont les TPE-PME. Et Marine Le Pen, en 2022, dira « Mon choix économique, c'est tout miser sur les TPE-PME ». Les grands groupes, ils n'ont pas besoin de l'État. Les grands groupes, ils se débrouillent parfaitement seuls. Il faut simplement qu'on inverse le rapport de force et qu'on puisse, par exemple, lorsqu'on donne de l'argent à des grands groupes, dans le cadre d'un plan de relance économique, qu'il y ait la contrepartie de ne pas supprimer d'emplois. Parce que lorsque vous donnez de l'argent à des grands groupes, de l'argent public, de l'argent du contribuable français, qui s'en sert ensuite pour délocaliser, comme ça a été le cas avec Bridgestone pour la délocalisation il y a quelques mois, et qui pourtant a bénéficié d'argent public, dans le cadre du CICE, des fonds de formation qui ont été donnés par le Conseil régional des Hauts-de-France à l'époque. Donc on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc il faut évidemment qu'il y ait des contreparties avec les grands groupes, mais d'une manière générale, les grands groupes se débrouillent bien toutes seules et ils n'ont pas besoin de l'aide de l'État. En revanche, celles qui ont besoin de nous, c'est les TPE-PME. Et aujourd'hui, il faut faire respirer les TPE-PME. Aujourd'hui, les patrons vous disent, on n'en peut plus, on a des normes et des taxes, des normes administratives à la fois françaises et européennes qui arrivent toutes les 4 matins, on n'y comprend plus rien. Donc il faut évidemment simplifier tout ça. Et puis il faut surtout baisser la fiscalité sur les TPE-PME. Il y a un premier effort qui a été fait par le gouvernement sur la baisse des impôts de production. C'est une bonne mesure. Il faut aller encore plus loin parce que ce sont des impôts qui sont évidemment perçus comme injustes par les chefs d'entreprise, dont c'est vrai, beaucoup disent aujourd'hui tout est fait pour nous empêcher de travailler. Donc il faut évidemment mettre le paquet là-dessus. Et si c'est vrai qu'au niveau européen, on souhaite reprendre la possibilité de faire du patriotisme économique et pouvoir donner dans tous les marchés publics où on le peut, un avantage très clair aux boîtes françaises. Et puis on avait aussi une mesure qui consistait à exonérer de charges les entreprises qui embauchaient les jeunes de moins de 21 ans pour leur permettre, en tout cas pour les jeunes qui sortent assez tôt d'études ou qui font des études courtes, de pouvoir commencer à travailler et à s'insérer dans la vie économique assez vite. Maintenant, est-il question, sera-t-il question en 2022 de sortir de l'euro? Non. En revanche, il faut réformer la gouvernance de l'euro, parce qu'aujourd'hui, vous savez que on est peut-être, c'est peut-être une exception d'ailleurs, mais la Banque Centrale Européenne ne peut pas prêter directement aux États. Donc nous, ce qu'on souhaite faire, c'est que la Banque Centrale Européenne puisse prêter directement aux États, plutôt que de passer par des banques qui ensuite vous reprêtent avec des taux d'intérêt qui sont généralement délirants. Qui sont aujourd'hui négatifs pour les emprunts d'État. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, ce qui était aussi l'argument, mais ça fluctue évidemment en fonction de la conjoncture économique. Ça fait quand même une dizaine d'années que les taux permet, si vous voulez, de faire taire aussi un argument qui a consisté à nous dire, si on va faire une indépendance de la Banque Centrale Européenne, et que finalement on fait ce qu'on appelle de la planche à billets, quantitative easing, ça a été fait par la Banque Centrale Européenne, ça va faire augmenter l'inflation. Aujourd'hui l'inflation est très faible et donc il faut aussi un minimum d'inflation. Et puis pour vous répondre sur la politique économique, il faut arrêter avec cette inflation de taxes tout azimut sur le contribuable français. Le cœur de notre programme, c'est la paix fiscale. Voilà. On est le pays en France, au monde, pays de l'OCDE où l'imposition est la plus forte, 48% de prélèvements obligatoires. Aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus. Les taxes sur l'essence ont encore été augmentées. Et je ne comprends pas qu'on continue comme ça d'entrer dans cette logique qui consiste à taper toujours sur les mêmes. Pendant que de l'autre, Charles Prats, le magistrat, dans son bouquin Le Cartel des fraudes, nous apprend qu'on a 50 milliards d'euros de fraude sociale dans notre pays. On apprend des trucs délirants, on apprend que vous avez des couples de Roumains qui ont 1200 enfants, où on apprend qu'un type, qui est un Belge, qui est venu se prendre la nationalité française et qui est parti faire le djihad bénéficie d'allocations sociales. Enfin, son bouquin est très instructif pour vous montrer aujourd'hui le fait que, d'un côté, on est toujours exigeant avec les mêmes, avec les classes moyennes, avec les classes populaires sur qui on fait peser un assommoir fiscal, et de l'autre, effectivement, c'est un peu open bar pour la fraude sociale, et c'est vrai qu'il y a des mesures très simples, notamment la carte vitale biométrique, qui permettrait de limiter aussi l'inflation de fausses cartes vitales, pour remettre un peu d'ordre dans les comptes publics, et d'une manière générale, paix fiscale, priorité aux TPE-PME, il faut évidemment faire des efforts aussi sur la formation, peut-être on reviendra sur le sujet de l'école un peu plus tard, et évidemment il faut arrêter avec ce libre-échange global, parce qu'en réalité le modèle économique que défend Emmanuel Macron est aussi un modèle qui nous a mis dans cette situation de pénurie. Moi j'ai le sentiment que les idées qu'on défend, ce sont des idées qui sont utilisées par des grandes puissances. Les grandes puissances dans la qui réussissent dans la mondialisation, elles font du patriotisme économique, elles soutiennent leur TPE-PME, elles ne négocient pas des accords de libre-échange sans qu'il y ait de contrepartie. Dans l'accord avec le CETA qu'a négocié l'Union Européenne, moi lorsque je dis il faut mettre en place du protectionnisme sur des filières où nous subissons une concurrence déloyale, on nous dit oui mais les États en face vont faire pareil. Mais ils le font déjà. Lorsqu'on négocie le CETA, on a accès à 35% des marchés publics canadiens quand le Canada a accès à 80% des marchés européens. Donc il faut arrêter avec cette concurrence, avec ce dogme européen qui est celui de la concurrence libre et non faussée, et évidemment se tourner vers une politique économique qui soit beaucoup plus protectionniste et qui soit évidemment aussi source pour les jeunes, parce que je me désespère aussi de voir que des jeunes qui viennent d'obtenir leur diplôme soient contraints de partir à l'étranger, dans beaucoup de cas, se fassent très très vite voit des offres d'emploi très intéressantes venir de l'étranger. On s'est réjoui que Mme Charpentier ait eu le prix Nobel de chimie, et très bien, sauf que Mme Charpentier, elle a fait toute sa carrière en Allemagne, parce que l'Allemagne lui donnait une opportunité que la France ne lui donnait pas. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui que le budget recherche, notamment de la France, est quasiment égal au budget recherche de tous les GAFA réunis, il y a effectivement de gros efforts à faire, en matière notamment évidemment de technologie. Mais ce libéralisme que vous dénoncez, c'est quand même à votre électorat qui est quand même plutôt populaire, qui profite notamment avec les prix importés des biens, qu'on fait un 13e mois à la majorité de la population. C'est une étude du CEPI de 2015 qui le dit. Comment vous réalisez par rapport à ça? Le protectionnisme économique va faire augmenter les coûts de production. Ça, c'est quelque chose qui s'est vérifié également aux États-Unis avec les mesures de Donald Trump, notamment dans l'acier, où les coûts de production explosaient. Votre électorat risque de subir ce protectionnisme économique. Et vous oubliez juste une variable dans votre équation, c'est l'emploi. Parce qu'aller faire fabriquer par des esclaves en Chine pour vendre à des chômeurs en France, ça n'a aucun intérêt. Et que, moi, je veux bien qu'on pose cette question, mais on nous a dit, on va ouvrir nos frontières, vous allez voir, les prix vont être très très bas, etc. C'était vrai sur un certain nombre de filières, et moi j'ai pas une vision idéologue du truc. Je pense pas qu'il faille mettre des droits de douane sur des produits dont nous n'avons de première nécessité, qu'on ne fabrique pas en France. Demain, on ne va pas se mettre subitement à imposer, par exemple, les smartphones, parce qu'on va nous dire, aujourd'hui, il n'y a pas de filière smartphone en France. C'est vrai. Mais en revanche, lorsque, par exemple, en matière, pour être hyper concret, en matière agricole, en matière alimentaire notamment, quand on ouvre nos frontières à de la viande, dans le cadre du Mercosur, dans le cadre du CETA, dans le cadre du TAFTA, c'était en tout cas dans le projet, même s'il n'est pas allé au bout, eh bien, effectivement, ces nourritures sont évidemment en concurrence avec nos agriculteurs français. Et donc, vous pouvez évidemment vous acheter du poulet brésilien, mais si en tout cas vous n'avez pas l'emploi et pas le pouvoir d'achat pour le payer, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut évidemment privilégier l'emploi en France, privilégier la production nationale, et arrêter d'aller négocier des accords de libre-échange avec des pays dont on avec eux, en concurrence déloyale. L'emploi qui va être réindustrialisé, entre guillemets, en France, il va être moindre que ce qui était il y a quelques années avec la robotisation. L'équation de l'emploi, elle n'est pas nécessairement juste, c'est plutôt une monnaie sous-évaluée qui va permettre cela. Sauf que, comme vous comptez garder l'euro, votre programme, il fonctionne essentiellement sur le fait d'un retour à une monnaie nationale qui était dévaluée. Si les boîtes ne reviennent plus aujourd'hui sur le territoire français, c'est parce que la fiscalité qui pèse sur elle est aujourd'hui délirante. Vous savez que la compétitivité, vous allez la chercher soit évidemment sur les charges qui pèsent sur les entreprises, soit sur la monnaie. Bon, étant limité évidemment dans le cadre de l'euro, même si, comme je l'ai dit, il faut en revoir la gouvernance, il faut évidemment pouvoir permettre aujourd'hui aux entreprises qui relocalisent, et ce qu'on avait proposé nous à l'Assemblée nationale dans le cadre du plan de relance, de pouvoir baisser la fiscalité. Mais on ne peut pas en même temps, si vous voulez, demander... Moi, je crois beaucoup à la réindustrialisation de filières, notamment de filières qui misent sur le progrès technologique. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je soutiens la 5G. Parce qu'on ne peut pas être en même temps, si vous voulez, pour la réindustrialisation. On ne peut pas vouloir faire de la France une grande puissance au XXIe siècle si on néglige totalement la 5G, et notamment l'intelligence artificielle. Voilà, je pense que les grands défis qui vont être les nôtres, qui vont être ceux de notre génération, d'ailleurs, sont évidemment trois grands défis dont je parle souvent, qui est évidemment celui de la démographie, celui de l'environnement, le défi environnemental, et puis évidemment le défi de l'intelligence artificielle. Parce que tous ces basculements sociaux, technologiques, économiques, qui vont arriver avec l'intelligence artificielle, personne n'y est prêt. Personne n'en parle. On ne parle jamais de ça dans les classes des écoles. Or, ce sont des choses qui vont arriver, qui sont en face de nous. Et je ne parle pas là d'échéance 2100, je parle là de 2030, 2040, 2050. Et quand on voit effectivement... la Chine très avancée, déjà sur la 6G, les États-Unis très avancés, on a accumulé, nous, un retard qui est considérable. On est, nous, une génération qui va vivre dans le siècle le plus vertigineux de l'histoire. Souvent, on me dit, mais vous regrettez pas d'être né avant, je sais pas, au 19e siècle, dans les années 50, dans les années 60, je dis non, parce que on vit dans un siècle qui va comporter une multitude de défis. Je parlais tout à l'heure du défi démographique, et c'est vrai. Moi, je suis né en 95. Quand je nais dans les années 90, la France, enfin le monde, compte 5 milliards d'habitants. On en a 7 milliards aujourd'hui, et on va finir le siècle à 11 milliards d'habitants. Cela est évidemment lié au défi environnemental. Et c'est vrai que je ne suis pas sûr, pour reprendre l'expression d'un ancien président, que le tri sélectif suffise à canaliser ce défi. Et puis, évidemment, le défi de l'intelligence artificielle, où, en réalité, notre siècle et le progrès technologique va faire en sorte que les pouvoirs qui étaient les pouvoirs initialement de Dieu, la modification du génome, la création de la vie, la manipulation du vivant, du cerveau, qui étaient les pouvoirs de Dieu, seront demain peut-être les pouvoirs des hommes avec l'intelligence artificielle. C'est le fameux livre d'Harari qui s'appelle Homo Deus, l'homme-dieu du XXIe siècle. Et donc, face à ça, il ne s'agit pas soit d'être pour ou d'être contre, il ne s'agit pas d'être transhumaniste ou bioconservateur, il s'agit juste de dire que ces défis, ils sont devant nous, et qu'il va falloir qu'on y réfléchisse, parce que ça pose des questions économiques, ça pose des débats éthiques, moraux, et évidemment juridiques. Donc après avoir posé ces grands enjeux du XXIe siècle, on va passer à une note un petit peu plus légère, avec le traditionnel petit jeu des mardis. Donc on vous rappelle le principe, donc c'est des questions plus légères, plus rapides, de la spontanéité, des réponses du tac au tac, avant de passer à la suite du débat. D'accord. Donc vous reconnaissez sur la photo ? Je crois que je dois avoir 3 ou 4 ans dessus. Le Rassemblement national, c'est avant tout une question familiale. C'est pourquoi nous vous proposons de jouer au jeu des 7 familles, revisité à la façon des mardis. Ok. Vous en conviendrez, vous êtes le garçon de cette famille. Nous allons vous laisser vous dévoiler les autres membres de votre tribu. Si vous deviez choisir un grand-père, ce serait Jean-Marie Le Pen, celui que le RN veut oublier, Le général de Gaulle, celui que le RN ne cesse de revendiquer. Georges Marchais, après tout, le RN ne serait qu'un vieux tract communiste des années 70. Le général de Gaulle. Parfait. Maintenant, si vous deviez choisir une grand-mère, on vous propose... On vous propose Jeanne d'Arc, symbole du RN, certains lui demandent même au secours, Jeanne. Simone Veil, personnalité politique majeure, première présidente du Parlement européen, aujourd'hui panthéonisée tout de même. Brigitte Bardot, pour profiter de beaux étés à la Madrague, et c'est un soutien régulier du RN. Je choisirais tout de même Jeanne d'Arc. Très bien. On justifie ou c'est juste un... Vous pouvez, si vous voulez, mais très rapidement. Non, alors évidemment, bon, moi, les deux personnages historiques, que ça tombe bien, que j'admire le plus, évidemment, le général de Gaulle et Jeanne d'Arc, parce que, évidemment, tous deux symboles à la fois de symboles nationaux, de résistance, d'héroïsme, et puis surtout, évidemment, les deux ont commencé très jeunes à s'engager pour le pays. Et pour le cas du général de Gaulle, évidemment, je considère que les... grand principe qu'a toujours défendu le général de Gaulle. Alors vous allez me dire, évidemment, il y a une histoire un peu particulière entre certains mouvements politiques et le général de Gaulle. Ça peut être vrai d'ailleurs avec le Front National, dont on oublie de dire d'ailleurs qu'il avait aussi parmi ses membres fondateurs Georges Bidault, qui était le successeur de Jean Moulin à la tête de la Résistance. Mais c'est vrai que les grands principes qui étaient ceux du général de Gaulle, que ce soit l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, l'Europe des nations, la capacité aussi à se confronter devant les Français par un référendum, ben je crois que ce sont les grands principes que nous défendons, en tout cas que j'ai le sentiment de défendre en politique. Et vous n'avez pas peur que ça fasse un peu frémir votre base électorale d'anciens pieds noirs issus de l'Algérie? Je comprends qu'entre le général de Gaulle et certains Français, il y ait la guerre d'Algérie. Et la guerre d'Algérie a évidemment été, au travers des pieds noirs, un traumatisme, mais... je pense que le général de Gaulle ne peut pas se réduire à la guerre d'Algérie. Et je pense encore une fois que ça a été l'un des seuls véritables présidents pour moi de la Ve République, qui a été effectivement taillé à sa mesure, mais ça a été pour moi l'un des seuls présidents et véritables de la Ve République. Si vous deviez choisir une mère, ce serait Marine Le Pen, Marine Le Pen ou Marine Le Pen? On a beau avoir cherché, vous n'avez que son nom à la bouche. Alors, j'hésite. Marine Le Pen. Non mais en vérité, moi pour vous répondre, j'ai énormément appris, appris d'elle. Donc évidemment, je lui dois une grande partie de ce que je suis entre guillemets aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on voilà, on a une relation de travail, on travaille beaucoup avant préparer les médias, en intervenir sur le fond. Donc voilà, je répondrai Marine Le Pen. Maintenant, si vous deviez choisir un père, ce serait Matteo Salvini, vous l'érigez souvent comme modèle. Eric Zemmour. Ça va faire une belle photo de famille. Eric Zemmour, pas besoin de le présenter. Ou Jean-Marie Bigard, maintenant que vous savez qu'il ne se présente plus à la prochaine élection présidentielle. Je pense que je répondrai Matteo Salvini. Bon, évidemment, moi, Zemmour, je partage beaucoup de ce qu'il dit. Il est évidemment parfois excessif, mais ça fait partie du débat. Voilà, ça fait partie du débat, ça fait partie de la liberté d'expression. Et c'est vrai que les mêmes qui parfois défendent des thèses un petit peu limite, notamment à gauche, l'extrême gauche, sur le décolonialisme, sur la racialisation permanente du débat, sont souvent des gens qui s'en prennent très souvent à Zemmour. Bigard, je pense que c'est difficile d'être comique et politique, parce que pour moi, la politique, c'est pas un jeu. Voilà. Quand on représente les gens, quand on représente les Français, et surtout quand on porte aussi des souffrances. Bon voilà, des scènes qui m'ont marqué, c'est-à-dire des agriculteurs qui vous parlent, qui pleurent, et qui vous disent « j'ai 300 € pour vivre, avec les aides comprises ». Qu'une femme vous dit « voilà, mon mari était policier, il s'est suicidé ». Ça, c'est des cas auxquels j'ai été confronté. Et c'est pour ça que pour moi, la politique, c'est pas un jeu. Voilà, je pense qu'on ne joue pas avec les souffrances des Français, qu'on les représente aussi, et que la démocratie c'est ça. Je tiens leur légitimité d'eux, et donc on a un devoir aussi d'exemplarité à leur égard. Donc voilà, non, je comprends un peu le mélange des genres pour l'humour, mais je dirais Matteo Salvini, qui est en tout cas qui a une très très forte popularité en Italie, et qui a surtout démontré, on aime, on n'aime pas, mais il a surtout démontré, au-delà qu'il aimait les pâtes et la pizza sur Instagram, que le combat pour lequel on se bat, la souveraineté nationale, les idées de bon sens finalement qu'on défend, qui me semblent être les idées d'une majorité de Français, parce que quand vous regardez au cas par cas nos idées, bon bah le référendum d'initiative populaire, les gens sont pour, toutes les grandes idées sont pour, bah, cela a une finalité, c'est l'accession au pouvoir, il a en tout cas réussi à le faire lorsqu'il est arrivé au ministre de l'Intérieur en Italie. Si vous deviez choisir une sœur, ce serait Marion Maréchal-Le Pen, Greta Thunberg, votre petite sœur écolo, ou Diams, vous l'enfant des années 2000. Je prendrai Greta pour lui dire à quel point elle raconte beaucoup de conneries et qu'en réalité moi je déteste les discours collapsologues de fin du monde où on vous explique que là ça va être la fin des temps. Je vous rappelle que ce discours il est tragique parce que je vous rappelle qu'il y a je crois un tiers des jeunes australiens, des jeunes gamins australiens qui considèrent que la fin du monde arrivera pour eux avant 18 ans. En réalité, le discours qu'il y a derrière, je ne parle pas d'écologie politique, mais le discours qu'il y a derrière les Verts, ce que j'appelle moi les ayatollahs verts, est un discours qui vise à nous placer dans un dilemme qui est mortel, mortifère, entre soit il faut mourir, soit il faut s'en sortir avec les soviets verts. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait, dans leur esprit, abandonner le confort moderne, il faudrait abandonner nos libertés. Je pense que les Verts, je les combats politiquement parce que je pense que c'est à la fois la fin de ce qu'on est, avec des trucs totalement délirants sur les sapins, même Coffin qui nous explique qu'il veut quasiment faire la guerre des sexes, ils veulent mettre fin au Tour de France, et à la fois la fin de ce qu'on sera demain, avec ce discours de collapsologie. Et en réalité, les Verts, par leur discours irrationnel sur la situation aujourd'hui environnementale, qui est une vraie préoccupation, je fais court, j'arrive, je fais court, ils nous cachent ce qui va mieux. Je vous rappelle, pardon, hein, il y a effectivement un défi environnemental, mais je vous rappelle aussi qu'on est parmi les plus propres au monde, que la France est, d'après l'université d'Yale, le pays le plus propre au monde derrière la Suisse, que le nucléaire qui est l'énergie la plus décarbonée, la moins chère que nous ayons, nous permet aujourd'hui d'être parmi les meilleurs élèves au monde. Et que l'air, que par exemple, je suis pas pressé, hein, que l'air que l'on respire par exemple dans les grandes villes, contrairement à ce qu'on nous raconte, est plus respirable aujourd'hui qu'il ne l'était dans les années 50 ou dans les années 60. Les métaux lourds, le plomb, la suie, le SO2, tout cela était divisé par 1000. Qu'on a plus de forêts aujourd'hui qu'on en avait il y a 2 siècles. Donc je dis que l'écologie politique est un véritable sujet qui passe, je le crois, par nos solutions de localisme, de circuit court, de patriotisme économique, mais qu'en tout cas, le délire de collapsologue dans lequel nous mettent les Verts est profondément irrationnel et nous sort de ce qui me semble être essentiel dans un débat, c'est la raison. Maintenant, vraiment en un mot, vous me promettez, quelle maison de famille choisirez-vous pour installer cette petite tribu? Montre tout, là où tout a commencé, le carré à Nanterre, siège actuel du RN, ou alors, est-ce que vous pourriez nous donner, en exclusivité, le prochain nom de votre nouveau siège? Alors, j'ai fait une visite tout à l'heure, donc nous sommes en train de déménager. Où ça? Dans Paris. Dans Paris, ça va faire plaisir aux journalistes qui doivent à chaque fois venir à Nanterre. C'est pas à vous de Sergi que je dis ça, mais qui doivent à chaque fois faire l'effort de venir très loin. Ça les sort du 5e, du 6e arrondissement pour venir à Paris, donc c'est pas toujours évident. En tout cas, on souhaite évidemment rentrer dans Paris à 17 mois de l'élection présidentielle et se rapprocher en un mot du pouvoir. Si vous deviez choisir la musique que vous mettez en famille, ce serait Maréchal nous voilà d'André Montagat, canal historique, Entrevue optimiste de Bon Entendeur, extrait de votre album préféré du moment, ou 9-3 Empire de Fianso, vous l'enfant de Seine-Saint-Denis. Bon Entendeur. Et je mettrais peut-être Monaco de Bon Entendeur. Dans Entrevue optimiste, ils disent « À nous de trouver les richesses que les étrangers nous trouvent ». Ça vous apaise? Ça m'apaise. Et pour finir, le plat que vous dégustez en famille. Un kebab apporté depuis Béziers par l'ami Robert Ménard, un couscous cuisiné par le cousin Florian Philippot, ou des pâtes à la matriciana. Vous indiquez à Paris Match que vous ne pouviez y résister. Des pâtes. D'ailleurs, c'est l'heure en plus. Donc on va maintenant passer à la partie 3 sur les enjeux sociétaux. Issu de Seine-Saint-Denis, vous avez pris la tête d'un collectif sur les banlieues. Oui. En 2015, les banlieues patriotes. Vous remettez livre blanc en novembre 2016. Pourtant, ce rapport semble avoir été très rapidement enterré. Il n'est d'ailleurs plus accessible. Oui, parce qu'on n'a jamais, c'est ma faute, on n'a jamais payé le renouvellement OVH du site. Donc évidemment, tout le monde se plaint que le rapport n'est plus accessible, mais en fait, c'est de ma faute. Il n'y avait aucune volonté de le cacher, simplement on n'a jamais renouvelé l'abonnement. D'accord. Ouais. Donc vous prenez position de manière originale par rapport à la ligne classique du RN sur les banlieues. Pouvez-vous nous rappeler assez rapidement les propositions qui avaient émané de ce projet? Bah, déjà en état d'esprit, c'est-à-dire que moi j'ai toujours considéré que le Rassemblement national devait parler aussi aux banlieues. Ça part d'un prêt-à-penser tout bête, mais ça part du prêt-à-penser que banlieue et Rassemblement national c'est incompatible. Or, les revendications d'ordre, de sécurité, de laïcité, de pouvoir d'achat sont aussi les revendications d'une grande partie des gens qui habitent en banlieue. Et j'ai pu en parler assez librement parce que je venais de ces quartiers. Et je voulais aussi mettre fin à un prêt-à-penser qui était celui dont on entendait encore un petit peu la musique en 2014-2015, qui était celui qu'on ne pouvait pas être issu de l'immigration et voter pour le Rassemblement national. Or, ce prêt-à-penser, il est faux. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens avec lesquels j'ai grandi. J'ai grandi avec des gens qui étaient en grande partie issus de l'immigration, notamment l'immigration maghrébine, africaine, etc. On était d'accord sur tout. Mais c'est vrai qu'il y a pu avoir des... peut-être d'ailleurs par des maladresses de notre part. Des incompréhensions entre des gens qui pouvaient être issus d'une certaine immigration et le Rassemblement national. Donc ce collectif, ce projet, il avait pour but évidemment de nous adresser aussi, d'adresser un message à nos compatriotes en banlieue qui subissent évidemment, qui sont les premières victimes de cette politique migratoire aussi totalement anarchique parce que, le général de Gaulle disait, mon grand-père disait, on assimile des individus, on n'assimile pas des peuples. Or, faire rentrer chaque année 500 000 personnes de plus, la moitié de manière légale, c'est-à-dire l'équivalent de la ville de Bordeaux, l'autre moitié avec les clandestins, les mineurs isolés, etc. Tout cela crée évidemment les conditions du communautarisme et ne permet pas d'assimiler. Je veux bien que toujours on va nous dire, on a besoin de gens, etc. Moi je ne suis pas pour la fermeture, je pense que la France doit rester accueillante à l'égard de gens qui viennent pour étudier, qui viennent pour travailler. Mais je dis juste qu'on ne peut pas, quand on a 10 millions de pauvres, quand on a 1 200 000 foyers qui attendent un logement social, quand on a 6 millions de chômeurs, accueillir les jeunes. Parce que quel travail on leur donne, quel logement on leur donne, dans quelles conditions on les accueille à l'école. Je vous rappelle qu'il y a des classes en Seine-Saint-Denis, des écoles, où il y a parfois jusqu'à 20 nationalités différentes. Qui s'assimile à qui? L'assimilation, ce n'est pas l'intégration. L'intégration, c'est modèle anglo-saxon. L'intégration, c'est le modèle anglais, c'est le modèle américain, c'est le modèle qui est basé sur une communautarisation de la société, c'est le modèle McDonald's, venez comme vous êtes. Or, en France, la tradition, c'est l'assimilation. Et l'assimilation, c'est pas venez comme vous êtes, c'est devenez ce que nous sommes. Et lorsque ma famille est arrivée d'Italie dans les années 60, ben, ils ont tout fait pour s'assimiler, pour apprendre le français, pour travailler, pour respecter les lois du pays qui les accueillait, pour respecter la culture, pour respecter les mœurs, pour respecter l'état d'esprit du pays qui les a accueillis. Et il n'y a pas de raison que les générations qui viennent après soient dispensées de cet effort. Et c'est vrai que cette notion d'effort sur l'assimilation, comme la notion d'ordre, comme la volonté de lutter contre le fondamentalisme islamiste, que je n'amalgame pas avec des Français de confession musulmane qui vivent tranquillement chez eux, qui travaillent et qui n'ont rien demandé à personne, et que nous devons aussi protéger. Moi j'ai vu des gens, des voisins, me dire un jour, mais moi ce que j'ai fui d'Algérie dans les années 90 avec le GIA, l'islamisme que j'ai fui qui m'a fait quitter ma terre, mon pays, je suis en train de le retrouver aujourd'hui dans mon quartier en France, terre que je croyais de celle de la liberté, de la sécurité, de la démocratie, de la protection, et ça, ça me fait peur. Et cet enjeu-là, il est aussi évidemment devant nous, et donc ce collectif, ces travaux que nous avons faits, avaient évidemment aussi vocation à nous adresser à nos compatriotes issus de banlieue, qui pouvaient aussi s'identifier évidemment dans les propositions que faisait Marine Le Pen. Ça c'est encore une fois un constat, les solutions concrètes sur la politique de la ville. Alors, je pense sur la politique de la ville que nous avons mis ces 40 dernières années 90 milliards d'euros dans la rénovation urbaine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rénover les tours. J'ai grandi dans une tour qui est effectivement pas très sexy, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas rénover les tours. Je dis juste que depuis des années, on considère que le problème dans ces quartiers, il est économique. Et que c'est parce qu'il y a de la pauvreté, que c'est parce qu'il y aurait des difficultés sociales, qu'il y aurait de la délinquance. Ça, moi, je n'y crois pas. Voilà, je n'y crois pas parce que dans le Cantal ou dans la Creuse, vous avez des dizaines et des centaines de familles qui ont des difficultés. Vraiment les solutions très concrètes. Bah, je peux vous faire un listing, mais enfin, si je peux... Non. Votre proposition phare. Ça arrive, ça arrive. Bon, du coup, j'ai perdu mon raisonnement. Excusez-moi. Je disais que depuis des années, en fait, on a tout vu sous l'angle économique. Or, le problème dans les banlieues, il est à mon sens davantage culturel et même parfois cultuel, et on le voit aujourd'hui avec un certain nombre de revendications. Je pense que si on ne rétablit pas l'ordre et la sécurité dans ces quartiers, on n'arrivera à rien. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez en matière de rénovation urbaine, en matière de zones franches et d'incitation fiscale pour les entreprises, alors qu'il y a des créations d'entreprises, et la Seine-Saint-Denis est le premier département qui crée des entreprises en France. Vous pourrez faire tous les efforts que vous voulez si vous ne rétablissez pas l'ordre et la sécurité dans ces quartiers. Beaucoup... Police, elle ne rentre pas dans la cité, elle fait le tour. Si vous n'allez pas déraciner le fondamentalisme islamiste qui aujourd'hui a pris le pouvoir dans beaucoup de quartiers, où moi j'ai des gens que je connaissais avec qui j'étais au lycée, qui aujourd'hui portent un voile, qui n'en portaient pas quand j'étais au lycée, et qui portent un voile parce qu'elles me disent au moins je suis tranquille quand je sors dans la rue. Ça évite que je me fasse embêter quand je prends le RER. Ça, ce sont des réalités. Donc, un, il faut rétablir l'ordre, il faut rétablir la sécurité. On peut parler des moyens qu'on donne, de la politique pénale, etc. Mais après, vous allez me dire que je suis trop long. Deux, il faut évidemment aller lutter contre le communautarisme et lutter contre le fondamentalisme. Et la première de ces conditions, c'est d'arrêter l'immigration. Parce qu'Emmanuel Macron, qui est un funambule qui avance sur du vide, il arrive à faire un discours sur le séparatisme d'1 heure sans évoquer ce qui crée les conditions du communautarisme, c'est-à-dire une politique migratoire totalement anarchique. Donc il faut arrêter tout ça. Il y a un rapport parlementaire qui nous a dit qu'on pouvait avoir en Seine-Saint-Denis jusqu'à 25% de la population qui était présente de manière clandestine. 25% d'1 500 000 habitants, ça fait 500 000 personnes. Donc dans cette situation totalement anarchique, l'État ne peut plus faire son rôle. Et puis ensuite, il faut évidemment ouvrir de nouvelles perspectives. Mais on n'ouvrira pas de nouvelles perspectives si on ne rétablit pas la sécurité et si on n'empêche pas les gens de partir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent dans ces tours, qui n'ont qu'une envie, c'est de partir. Mais même des gens issus de l'immigration, de Seine-Saint-Denis, d'aller en Seine-et-Marne, d'aller dans le Val-d'Oise, parce qu'ils s'y sentiraient plus en sécurité. Je reviens juste donc sur la question initiale qui était celle du rapport sur les banlieues patriotes. Beaucoup ont dénoncé... des membres même de ce collectif, bon, de façon anonyme, ou Florian Philippot, ont dénoncé le fait que c'était surtout une coquille vide, et le fait que vous aviez un peu dévoyé justement les résultats de cette enquête, et notamment Florian Philippot dénonce le fait que vous réduisiez la question des banlieues à la question identitaire, sécuritaire. Or, dans ce rapport, vous aviez d'autres propositions, oui, telles que celle d'instaurer le ministère de l'Éducation en Seine-Saint-Denis, le fait de limiter le nombre de logements sociaux ou d'ouvrir beaucoup de lycées internationaux. Est-ce que, en fait, ce discours-là est audible au Front National? Est-ce qu'on a fait taire ce rapport, notamment après le scandale du Café Patriote? Donc, pour rappel, vous aviez fait intervenir un membre de l'Union des organisations islamiques de France au milieu, donc vous avez... Donc vous aviez appelé, à la fermeture de cette union des organisations islamiques. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous aviez dénoncé le fait que Emmanuel Macron serait soutenu par des membres de cette organisation et vous aviez demandé à son démantèlement, car membre de listes inscrites notamment aux États-Unis sur des listes apparentées aux Frères musulmans. Mais quel rapport ? Bah, vous aviez demandé à la fermeture de ce syndicat, de cette organisation, que vous affiliez aux Frères musulmans. Oui. Oui. Et donc vous l'aviez invité à prendre la parole. Non, lui, alors, Kamel Béchik, en l'occurrence, avait une association qui s'appelait Fils de France, oui, qui était une association qui revendiquait des musulmans patriotes. Bien sûr. Bon, il a toujours indiqué qu'il n'était pas membre de l'UIF, en l'occurrence, qui a changé de nom aujourd'hui, qui s'appelle Musulmans de France. Mais, si vous voulez, le rapport n'a pas été mal perçu, mais... pour pouvoir mettre en place. Je veux dire, la sécurité, c'est la condition sine qua non. Vous ferez croire à personne qu'on va installer des entreprises, pas seulement dans le quartier de la Plaine à Saint-Denis, mais qu'on va installer des entreprises en plein milieu des cités, alors que ce sont des quartiers dans lesquels aujourd'hui même les médecins n'entrent plus. Les déserts médicaux, c'est pas seulement dans les campagnes, c'est aussi dans les banlieues, parce que lorsque les médecins y vont, ils se sont systématiquement agressés, cassés la voiture, etc. Et donc, nous, ce qu'on a voulu dire, c'est que ce sont évidemment les habitants de ces quartiers qu'en subissent les conséquences, et qu'on a aussi évidemment vocation à leur parler. Et je pense que notre message peut aussi être audible, à condition de bien leur expliquer que le Rassemblement national, il défend tous les Français. Il défend tous les Français, sans distinction de race, d'origine, de religion, de couleur de peau, parce que la France, c'est cela aussi, et qu'on est dans un esprit qui est purement français, qui consiste à dire vous pouvez venir de n'importe où, à partir du moment où vous arrivez sur le territoire national, que vous vous fondez dans la communauté nationale, alors vous devenez français. On va passer à une question d'écologie et politique, non pas de collapsologie, mais les scientifiques sont clairs, notamment ceux du GIEC, il va falloir agir vite et fort. Vous voulez devenir un parti de gouvernement, dans quelle mesure l'écologie fera partie de vos priorités? Je pense qu'on ne peut pas parler sérieusement d'écologie si on ne remet pas en cause notre modèle économique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en même temps, comme Greta Thunberg, pour les accords de libre-échange avec le monde entier, c'est-à-dire pour le grand déménagement de la planète qui consiste à les faire fabriquer très très loin ce qu'on pourrait produire à côté de chez nous, et pouvoir être sérieux sur la question de l'écologie. Donc je pense que la première, si évidemment une responsabilité humaine dans les dérégulations environnementales que nous vivons, elle vient effectivement du fait que nous avons... Moi, je ne suis pas, si vous voulez, pour une écologie punitive, qui consiste à faire payer des taxes toujours plus importantes, notamment sur l'essence, etc., aux contribuables français. Je dis juste que les accords de libre-échange ont abouti à ce qu'il y ait aujourd'hui 60 000 supertankers qui traversent la planète, en permanence. Or, il faut savoir qu'un supertanker, parmi les 60 000, c'est l'équivalent, en termes de particules fines émises, de l'intégralité du parc automobile français. Donc moi je veux bien qu'on aille faire payer à Madame Michu une taxe supplémentaire sur l'essence, mais à un moment donné il faut se poser la question de notre modèle économique et de notre modèle environnemental. Donc nous ce qu'on oppose aujourd'hui au libre-échange, c'est le localisme. Et je pense qu'on réglera cette question environnementale. Alors après, nous on soutient évidemment le nucléaire aujourd'hui parce que c'est une énergie peu chère, quasiment décarbonée. On n'a pas les moyens de s'en passer et elle est indispensable notamment dans la recherche sur l'hydrogène, donc auquel je crois beaucoup, et évidemment par exemple la 5G, mais je dis qu'on ne peut pas être sérieux sur la question environnementale si on ne parle pas de ce qui fait aujourd'hui qu'on a de la pollution, et notamment des particules fines, qui est évidemment tous les supertankers qui traversent la planète, qui créent un grand déménagement partout dans le monde, et qui fait qu'en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, on va faire fabriquer en Chine par des esclaves pour vendre à des chômeurs en Europe, pour ensuite aller retraiter en Afrique. Je pense que ce modèle, il est dramatique, pour évidemment la planète et pour la question environnementale. Et puis il y a, c'est la question de fond, c'est la question de la démographie en réalité. L'Afrique va passer de 1 milliard d'habitants à 2,5 milliards. C'est-à-dire que la population africaine va doubler d'ici 2050. Donc, je veux bien qu'on séquence, mais à un moment donné, il faut mettre tous les sujets sur la table et on ne peut pas évidemment... découpler la question de l'environnement avec la question de la démographie. Et puis après, de manière très concrète, il faut faire une fois qu'il y a possibilité de voter des textes, soit à la région, au Parlement européen, on le vote, isolation thermique, évidemment investir sur l'hydrogène, qui est une source d'énergie dans laquelle je crois beaucoup. Moi, je ne crois pas du tout dans l'éolien, parce que l'éolien, déjà, c'est une catastrophe environnementale. Je ne sais pas si vous avez déjà visité des installations d'éoliennes, c'est épouvantable. Vous avez des espèces de grands blocs immondes qui dégagent des ondes avec des bruits à des kilomètres à la ronde. Ça fait que les habitations autour ont perdu totalement en valeur. L'énergie ne se stocke pas. Et donc, en plus d'être une pollution visuelle, c'est inefficace d'un point de vue énergétique. Et je ne crois pas non plus aux batteries électriques. C'est bien, mais on en fait quoi des batteries? La durée de vie d'une batterie, c'est 20 ans. Ensuite, on en fait quoi? D'autant que la batterie ne répond pas au problème d'indépendance énergétique. Je rappelle que pour faire des batteries, il faut des terres rares, il faut des métaux rares. Et ces terres rares, on va les chercher en Chine, dans ce qu'on appelle là-bas, d'ores et déjà, des villages du cancer, tant l'exploitation des terres rares et les ondes que ça dégage ont des conséquences évidemment sur la santé. Donc il faut être très prudent là-dessus. Moi je pense que l'hydrogène est évidemment une énergie d'avenir, qu'en l'état actuel des choses, pour résumer, on ne peut pas se passer du nucléaire, mais que... la question centrale, c'est évidemment la question du modèle économique. Et qu'il faut évidemment la substituer par le circuit court, par le patriotisme économique et par le localisme. Donc, pas le temps de revenir. C'est la question suivante. On va passer à une question sur l'éducation qui nous amènera à une question sur la laïcité. En cas de victoire à la présidentielle, vous aviez garanti la liberté de scolariser ses enfants selon ses choix, tout en contrôlant plus strictement la compatibilité avec les valeurs de la République. Emmanuel Macron, en annonçant son plan de lutte contre les séparatismes, a annoncé vouloir mettre fin à ce principe en rendant obligatoire la scolarisation à partir de 2021 et ainsi faire de l'enseignement à domicile une exception. limitée à certains motifs spécifiques. Que pensez-vous de cette nouvelle mesure? Seriez-vous prêt à la soutenir au nom de la lutte contre l'islam radical? Je pense que cette mesure ne changera rien, pour être très honnête, parce que le problème aujourd'hui avec l'enseignement et le fondamentalisme islamiste est évidemment l'enseignement privé, et notamment l'enseignement privé hors contrat, et le fait que nous n'arrivons pas aujourd'hui, parce que le dispositif législatif est beaucoup trop faible, à faire fermer des établissements dont on sait que l'on y enseigne des pratiques séparatistes, qui visent à séparer évidemment le discours républicain, français, etc., avec évidemment un discours qui est beaucoup plus rigoriste. Donc y a la loi Gatel qui avait été mise en place par le gouvernement est évidemment insuffisante, parce que c'est comme les mosquées radicales, on les ferme et 6 mois après elles rouvrent, parce que le dispositif législatif est aujourd'hui beaucoup trop faible. Donc je pense qu'il faut faire davantage des efforts sur l'enseignement privé, notamment l'enseignement privé hors contrat, et notamment l'enseignement coranique, plutôt que sur la scolarisation des enfants dès 3 ans obligatoires, qui je pense ne changera pas grand-chose. Très rapidement, est-ce que vous pensez que le fait de limiter justement cet enseignement dans les écoles hors contrat ne va pas faire bondir une partie de votre camp, notamment par exemple Marion Maréchal-Le Pen qui a suivi sa scolarité dans une école privée hors contrat qui est Saint-Pédis. Historiquement, en fait, le Front National porte aussi le combat de l'école libre. Historiquement, le Front National n'a jamais été un grand défenseur de la laïcité. Vous êtes notamment opposé à la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Parce qu'elle était insuffisante. Pourtant, aujourd'hui, on voit justement 2 lignes qui semblent s'opposer. Celle de Marine Le Pen, que vous semblez porter, qui est, on va dire, une laïcité maximaliste, celle d'étendre la loi de 2004 à tous les espaces publics, et une ligne qu'on qualifierait de minimaliste, représentée par Marion Maréchal-Le Pen, qui, au nom d'un supposé héritage culturel chrétien de la France, déclare « Je ne veux pas d'une laïcité aseptisée qui détruit tout ce qui pourrait avoir référence à la religion catholique ». Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui concilie ces 2 lignées, c'est l'idée que c'est seulement l'islam qui menace la laïcité? En l'occurrence, aujourd'hui, oui. L'islam politique. L'islamisme. Et je note qu'on est plus faible à l'égard de cette idéologie que ne le sont certains pays musulmans eux-mêmes à l'égard des fondamentalistes islamistes qui veulent faire sécession. Alors, pour vous répondre sur la laïcité, d'abord, je pense que l'emploi du mot séparatiste, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, je pense que déjà il est erroné. Je pense qu'on va avoir 10 ans de retard. L'affaire du séparatisme, c'était vrai il y a 20 ans dans l'affaire du voile de Creil, on voyait déjà des minorités politico-religieuses qui voulaient faire de séparation. Aujourd'hui, on n'est plus dans un communautarisme de séparation. On est dans un communautarisme de conquête, où vous avez des minorités politico-religieuses qui souhaitent aujourd'hui imposer à l'ensemble de la société française leurs propres interdits. Et c'est vrai dans les revendications qu'on a dans les mairies, hein, avec de la nourriture particulière, des menus particuliers dans les cantines, avec des horaires séparés dans les piscines, avec la volonté de voir certaines femmes habillées de telle ou telle manière. Donc il y a aujourd'hui, avec le délit de blasphème, par exemple, je vous rappelle que... un tiers, je crois, d'après le sondage qui a été commandé par Charlie il y a quelques semaines, un tiers des 25% en tout cas des jeunes musulmans ne condamnent pas les attentats de Charlie. C'est un sondage IFOP qui avait été publié par Charlie Hebdo. Je rappelle que dans certaines écoles de banlieue, par exemple, notamment en Seine-Saint-Denis, certains avaient refusé de faire la minute de silence après les attentats de Charlie. Donc évidemment qu'aujourd'hui c'est le communautarisme islamiste qui remet en cause aujourd'hui effectivement la laïcité, mais pas seulement la laïcité, mais aussi l'identité française. Tout simplement la manière pour une femme de s'habiller comme elle le souhaite dans un certain nombre de territoires. Donc oui, nous défendons, nous, la laïcité. Je pense que le communautarisme catholique, très franchement, on ne voit pas beaucoup d'attentats avec des croix, hein, excusez-moi, hein, mais aujourd'hui on est face à ce type de communautarisme qui pose évidemment problème et qui pose problème au quotidien. Alors je veux bien qu'il y ait d'autres formes de dérives sectaires, etc., mais qui sont dérisoires par rapport à ce phénomène-là. Une étude de l'Institut Montaigne, Jean Jaurès, je ne sais plus, nous disait, il y a quelques, peut-être vous le retrouverez, il y a quelques mois, que un tiers des Français de confession musulmane considéraient que la charia, que les lois de Dieu étaient supérieures aux lois de la République. Et ce taux, il monte même jusqu'à 40% chez les jeunes, chez les 18-24 ans. Donc on est face à ce problème-là, et nous souhaitons évidemment défendre la laïcité, mais il faut assumer aussi ce qu'on est. Je veux dire, moi je n'ai pas été baptisé, mais j'assume évidemment aussi le fait que la France soit construite sur la chrétienté, Noël, Pâques, tout ça, ce sont des fêtes qui sont l'héritage catholique, l'héritage chrétien de la France. La France est chrétienne, historiquement, mais la République, elle est laïque. Il faut évidemment que cette laïcité soit respectée. Donc nous sommes, nous, évidemment, pour l'application stricte de la laïcité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fondamentalisme islamiste progresse par la faiblesse de nos dirigeants politiques. Et ce que je vous disais juste avant, c'est qu'il y a un certain nombre de pays musulmans. Quand il y a eu des attentats en Tunisie, en Égypte, on a fermé les mosquées radicales massivement. On a dissous les associations qui étaient des associations politico-religieuses qui visaient justement à ce communautarisme de conquête. Et nous n'en avons pas fait le quart, en réalité, en France. Nous allons passer à la dernière partie sur quelques questions un petit peu plus personnelles. Donc vous dénoncez souvent le système politique en France, le système, le RN aime bien taper dessus. Pourtant, vous adoptez tous les codes de cet ancien monde, le schéma classique, être assistant parlementaire, puis devenir élu. Est-ce que vous vous considérez comme un professionnel de la politique ? Bah, de fait, moi je dis que la politique, c'est un vaccin contre lequel il n'existe pas de virus. Je me suis engagé très tôt. À la base, je ne voulais pas faire ça. J'ai fait des études, j'ai fait des études de géographie à la Sorbonne. Je ne voulais pas faire ça. Mais voilà, je me suis engagé très tôt. J'ai eu la possibilité de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais d'une manière. Le début de votre question, c'était. Est-ce que vous êtes un professionnel de la politique ? Voilà. C'était ça, globalement. Non, et le système, dénoncer le système, c'est quoi ? C'est les idées qui sont aujourd'hui incarnées au pouvoir. C'est-à-dire que ça fait 40 ans que les partis politiques se succèdent. Est-ce qu'on a vu une différence ? Non. Alors vous allez me dire, lui, il a supprimé la taxe d'habitation, lui, il a mis les heures sup, mais ça, on s'en fout. C'est bien, mais ce n'est pas des changements de fond dans la politique en France. C'est pas, je veux dire, s'il y a de moins en moins de Français qui votent aux élections, alors ça a été moins vrai aux européennes, mais de nier le fait qu'aujourd'hui, vous avez une part importante des Français qui se désintéressent de la chose publique, je pense que c'est passé à côté de l'évidence. Donc, je ne dirais pas qu'on combat un système, je dis juste qu'on propose une alternance et que le modèle politique qu'on défend, d'abord, ce sont des idées qui sont en pratique partout dans le monde. Je veux dire, les grandes puissances qui réussissent dans la mondialisation, elles font du patriotisme économique, elles font du protectionnisme, elles maîtrisent leurs frontières, elles sont fières d'elles-mêmes. Il n'y a aucune puissance qui réussit dans la mondialisation en se reniant. Les États-Unis réussissent dans la mondialisation parce qu'ils sont fiers d'être américains. La Chine réussit parce qu'ils sont fiers d'être chinois. Et c'est vrai pour toutes les grandes puissances. Il n'y a pas de raison que nous, on soit évidemment dans la repentance de manière permanente. Donc par là, effectivement, on est différent des autres. Je veux dire, à un moment donné, les autres ne se coalisent pas systématiquement tous ensemble pour nous empêcher d'arriver au pouvoir si on était exactement comme eux. Donc est-ce que je suis un professionnel de la politique ? Oui, je ne fais que ça matin, midi et soir. Voilà, je ne fais que ça matin, midi et soir. Le matin, je suis dans les médias. La journée, on travaille. Le week-end, je suis dans les fédérations, dans les meetings. Le mardi soir, je suis chez vous. Mais à un moment donné, je veux dire, la politique, c'est un engagement à temps plein. Parce que la politique, c'est dur, parce qu'on prend des coups. Voilà, je n'ai pas choisi le parti le plus évident de ce point de vue-là, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des craintes de bonne foi à notre égard. Mais, vous savez... je pense qu'on a, on a tous une responsabilité. Et moi, mon engagement politique, c'est évidemment ce que j'ai vécu aussi en Seine-Saint-Denis. Et lorsque Camus a reçu le... Albert, hein, pas Renaud. Lorsque Albert Camus a reçu le prix Nobel de littérature en 1957, il dit « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Et c'est vrai que face à tous ces défis dont on a beaucoup parlé ce soir, eh ben, moi, je me sens avoir une petite part d'envie d'agir dans tout cela. Et donc, évidemment, le Rassemblement national donne aussi beaucoup sa chance aux jeunes. Et est-ce que, très rapidement, vous avez soif d'une autre expérience professionnelle ? Je ne sais pas ce que je ferai dans 5 ans, dans 10 ans. Je ferai peut-être autre chose. Je serai peut-être à la pêche. Je ne sais pas, je ferai peut-être autre chose, mais... quand on est piqué par le virus de la politique, c'est difficile de faire autre chose. Parce que c'est passionnant, parce que vous abordez tous les sujets, parce que c'est une ouverture d'esprit que je crois aucune autre discipline n'apporte, parce que vous avez aussi au quotidien des témoignages, des souffrances aussi des Français. Et donc, c'est vrai que c'est très difficile, d'en sortir. Peut-être que je ferai autre chose. Je pense avoir la chance d'avoir eu beaucoup pour 25 ans. Si vous étiez contraint d'arrêter la politique demain, vous feriez quoi ? Ah, joker. Ok. Non, je ne sais pas. Pour être très honnête, je ne me suis jamais posé la question. Pour la fin, nous souhaitons revenir sur les questions de Baptiste. Alors, fils spirituel et digne successeur de Marine Le Pen à la tête du RN, ou bien utile homme demain, qui sera écarté aussi vite qu'il est arrivé. Quel destin l'avenir vous réserve-t-il? La première question, c'est est-ce que vous prendrez la présidence du RN par intérim pendant l'élection présidentielle? C'est Marine Le Pen qui fera son choix. Nous avons Chez nous, nous n'avons pas de primaire, et vu le chaos qu'ont été les dernières primaires, bon, peut-être pas tirer sur une ambulance, mais c'est vrai que pour nous, le congrès dont je vous ai parlé, qu'on a tous les 3 ans, fait office de primaire, puisqu'il choisit le président du mouvement, qui devient le candidat à l'élection présidentielle. Voilà, maintenant, la réflexion de Marine Le Pen, c'est de dire on ne peut pas être candidate de tous les Français, et en même temps être la chef d'un parti, c'est-à-dire être la chef d'un petit groupe de Français, qui est celui évidemment de nos adhérents, de nos militants. Donc elle l'a dit, elle quittera probablement la présidence du mouvement d'ici à septembre prochain, et elle fera son choix. C'est la fin de ce débat. Merci Monsieur Bardella d'avoir répondu à nos questions. Pour commencer, donnons la parole à notre partenaire, le journal La Tribune. Il n'y a pas la question. Malheureusement, il n'y a pas de question de La Tribune, mais on va compenser avec plus de questions du public. Donc, on va donner la parole au public. Donc, on vous le rappelle, vous avez le droit à la parole pour une question claire et précise et concise. Qui souhaiterait poser une question? Oui, bonsoir. Alors, tout d'abord, je voulais vous féliciter pour la clarté de vos propos, votre franchise. J'ai 2 questions courtes. La première, c'est comment vous expliquez l'ostracisme dont a fait l'objet le Front National auparavant, le Rassemblement national aujourd'hui, même si c'est un peu moindre, de la part de l'ensemble des autres partis en France, c'est le cas pour aucun autre parti, et d'une partie des médias. Et ma deuxième question, c'est comment définissez-vous aujourd'hui un citoyen français ? Je prends la question la plus facile en premier. Comment j'explique l'ostracisme du Rassemblement national? Parce qu'on n'est pas comme les autres. Voilà. Et que on a peut-être eu le courage de mettre sur la table, parfois avec excès d'ailleurs, hein, je reconnais ça aussi, peut-être parfois avec des excès, mais de mettre sur la table des sujets dont on considérait être les sujets d'une majorité de Français. Aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que les idées dominantes, alors c'est de moins en moins vrai, mais que les idées dominantes dans les médias, dans les débats, ne sont pas les idées majoritaires dans le pays. Et je pense que si on avait été comme les autres, on aurait été aux responsabilités depuis longtemps. Alors, nous avons une histoire derrière nous dont je dois assumer aussi, au sein de mon mouvement, l'intégralité de ce qui a pu se passer, de ce qui a pu dire, sans forcément parfois le partager. Mais c'est vrai que moi, en tant que militant, pour moi, cet ostracisme, il est injuste. Et surtout, je le disais au début de l'intervention, c'est que je ressens que beaucoup de gens... Je disais, je pense qu'on a gagné la bataille des idées parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont d'accord avec nous. Mais il n'y a peut-être pas aujourd'hui une majorité de Français, c'est vrai, qui voient en nous les bons avocats de ces idées-là, et qui considèrent peut-être que si on arrive aux responsabilités, on ne va pas être une voie d'apaisement au problème, mais qu'on va plutôt être une source d'instabilité à une situation déjà instable, déjà inconnue que nous vivons aujourd'hui. Et parfois, c'est vrai que pour moi, c'est un peu injuste de voir des reproches subliminaux, c'est-à-dire de voir des gens qui nous disent « moi, je suis d'accord avec vous, mais je ne voterai jamais pour vous ». On est peut-être une exception française, on est peut-être l'un des seuls mouvements politiques à qui réserver ce traitement, mais... Voilà, je veux dire, c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Le fait aujourd'hui, par exemple, il y a 2-3 jours, Marine Le Pen est reçue par Gérald Darmanin parce que sur ce grand projet qu'est le séparatisme, on a des choses à dire, on a des choses à proposer. Elle est reçue comme une femme d'État, elle est reçue comme la chef de l'opposition. Donc je pense que cet ostracisme, il est évidemment en train de changer. Maintenant, il y a une réalité aussi, c'est que plus nous nous approchons du pouvoir, plus la pression sociale sur les gens qui décideraient de nous rejoindre est forte. Je ne vais pas vous dire de mensonges. Je ne veux pas démoraliser certains d'entre vous qui pourraient peut-être avoir une proximité idéologique avec nous. Mais moi, j'ai un ami qui est ancien journaliste qui était sur BFM TV, Europe 1, avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant les élections européennes, qui travaille aujourd'hui avec moi, et qui, du jour où il a décidé de travailler avec moi, a vu tous les contrats qu'il avait avec d'autres, privés, grandes boîtes, grandes banques se couper. Donc cela est en train d'évoluer, mais c'est vrai que on est un parti qui a pris beaucoup de coups dans la vie politique. Et donc c'est vrai qu'être au Rassemblement national, c'est peut-être pas aussi évident qu'être à la République en marche. Mais parce qu'on a aussi des convictions. Quelqu'un qui est en marche, pour avoir vu beaucoup de gens chez En Marche, depuis le début du quinquennat, ils savent pas trop ce qu'ils font là. Quelles sont leurs idées, c'est quoi leur vision de la France, comment ils imaginent notre pays dans 30 ou 40 ans. Vous êtes bon en régie, c'est vraiment du simultané. Mais voilà, donc on a des convictions. On est un parti qui avons effectivement une histoire avec des bons et des mauvais côtés. Aujourd'hui, le Rassemblement national ne ressemble évidemment pas au Front National d'il y a 10, 20, 30 ans, mais c'est pareil avec tous les partis politiques, tous les partis évoluent. Quand des socialistes viennent nous donner des leçons de républicanisme, de démocratie, alors qu'ils appartiennent à un parti dont le président Mitterrand a reçu la francisque des mains de Pétain, c'est-à-dire la plus haute distinction du régime de Vichy, est-ce que ça veut dire que tous les gens du Parti socialiste sont des pétainistes? Non, chaque parti évolue, chaque parti a son histoire, mais c'est vrai qu'on a un peu un traitement particulier qui nous est réservé, et je ne saurais l'expliquer, d'autant que nous sommes beaucoup, et moi j'ai rejoint le Front National à l'époque en 2012, pour un parti qui était en voie de normalisation. Donc on a aussi ce poids évidemment derrière nous, qui n'est pas forcément simple. Maintenant, la deuxième question, comment je définis un citoyen français? Par la carte d'identité. Moi, je ne fais pas de distinction de couleur de peau, je ne fais pas de distinction d'origine, je ne fais pas de distinction de religion. Je considère qu'à partir du moment où vous êtes français, que vous aimez notre pays, eh bien vous êtes de la Maison France. C'est en tout cas la chance qui a été donnée à ma famille dans les années 60. Et moi, je suis infiniment reconnaissant à la France d'avoir offert cette possibilité, de m'avoir offert cette possibilité de grandir ici, de grandir dans l'école de la République, de pouvoir aujourd'hui en être élu. Donc j'ai une reconnaissance immense à l'égard de la France. On pourra dire que je suis français de sang mêlé, comme on pourrait utiliser l'expression. Mes ancêtres ne sont pas nés ici, mais ils sont devenus français. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la différence entre intégration et assimilation. La France, ce n'est pas « venez comme vous êtes », c'est « devenez ce que nous sommes ». C'est ça la tradition française. Une autre question dans le public? Bonsoir. Je voulais vous demander, c'est moi qui ai le micro. Que reste-t-il de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui au RN? Il reste un combat qu'il a porté aussi pendant des années et des années. Et moi, je suis respectueux aussi du travail qui a été fait par les générations de militants qui nous ont précédés. On peut lui reprocher ce qu'on veut, hein. Mais ça a été l'un des seuls députés pendant la guerre d'Algérie à troquer son costume de député, à quitter le confort de l'Assemblée nationale pour s'engager dans l'armée, française. On peut dire ce qu'on veut, mais il a contribué à mettre sur la table des sujets sur lesquels aujourd'hui une majorité de Français sont d'accord. L'immigration, par exemple. Vous avez 70-80% des Français qui pensent la même chose aujourd'hui sur l'immigration. C'est-à-dire qui disent « Ok, on peut accueillir, mais pas à n'importe quelle condition, et surtout on ne peut plus accueillir à un rythme encore trop important, parce que ce qui se cache derrière les pseudo-discours humanistes, c'est en fait un immense appel d'air pour des gens qui viennent, qui traversent la Méditerranée, parce qu'on leur fait miroiter l'Eldorado. » Donc il reste cet héritage. Maintenant, le mouvement a changé, le mouvement a évolué. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Tous les mouvements politiques évoluent, mais c'est vrai que voilà, on n'est pas d'accord sur tout. Et aujourd'hui, la présidente s'appelle Marine Le Pen. Une autre question dans le public? Bonsoir, monsieur Bardella. Bonsoir. Donc ici. Ok, c'est bon. Donc, je ne vais pas vous parler de politique, mais je vais vous parler de compétences. Donc, vous parliez tout à l'heure de planches à billets, de TPE, de PME, de mondialisation. Aujourd'hui, vous avez 25 ans, vous avez votre baccalauréat, vous n'avez pas terminé votre licence en géographie, vous n'avez aucune expérience dans une entreprise privée, aucune expérience en économie, en finance, en relations internationales. Aujourd'hui, la totalité de cette assemblée est à l'ESSEC, a fait une classe préparatoire, va faire un master en finance, en économie, en relations internationales. Est-ce que la totalité de cette assemblée est plus compétente que vous à votre poste? Ah bien, écoutez, j'espère avoir ici les futurs ministres de Marine Le Pen. Écoutez, moi, alors, moi, vous voyez, Moi, j'ai pas de haine particulière pour les élites, pour les gens qui réussissent. Ah oui, vous pourriez rajouter aussi que j'ai fait le concours Sciences Po, que j'ai raté en terminale, parce que mes parents n'avaient pas non plus les moyens de me payer une prépa, parce que ça coûtait trop cher et que même 1 500 € pour eux, c'était déjà beaucoup. Les leçons de... Vous vous souvenez, au second tour, la présidentielle, on nous avait vendu les experts, enfin, je veux dire, les énarques, tout ça, c'était le gouvernement des experts. On nous a dit, voilà, nous, on ne savait pas, on était des nuls, on était des populos, on était des ringards, on n'avait pas le bac, etc., etc. Pardon, hein, mais les technos au pouvoir, on a vu ce que ça a donné. Voilà. On a vu ce que ça a donné pendant le Covid, on a vu ce que ça a donné en économie, on a vu ce que ça donne sur la sécurité et l'immigration. Et donc, moi, je pense qu'il faut évidemment un complément. Et je peux vous dire que j'ai appris plus en 5 ans au Conseil régional d'Île-de-France qu'en 3 ans à la fac. Parce que vous êtes dans le concret, parce que vous êtes dans des affectations budgétaires qui sont extrêmement concrètes et qui ont des conséquences sur la vie des gens. Donc nous allons évidemment aussi avoir besoin de gens qui sont aujourd'hui dans les grandes écoles, nous en avons. Et je peux vous dire que le regard... D'ailleurs, pour moi, le fait d'être invité aujourd'hui traduit aussi beaucoup dans le regard qu'on peut porter dans les grandes écoles à notre égard. Je racontais tout à l'heure que la dernière fois que je suis allé à Sciences Po, ça s'est fini en émeute et j'ai dû sortir par le parking avec les CRS. Mais je pense que les mentalités, évidemment, évoluent. Et surtout, je pense que pour beaucoup aujourd'hui, qu'on dirait des élites, je pense que l'hypothèse de nous voir arriver au pouvoir, elle évolue, elle change. Si la question c'est est-ce que demain on aura les capacités pour gouverner, oui. Oui, parce qu'il y a tout autour de Marine Le Pen, alors c'est difficile de les faire émerger, mais c'est les médias aussi qui décident qui émerge et qui n'émerge pas. Je ne suis pas sûr que ce soit dans l'intérêt de tout le monde que de voir qu'autour de Marine Le Pen, on a des énarques, on a des gens qui ont fait l'ENS, qu'on a des gens qui ont fait Sciences Po. Il y a tout cela. Moi, les gens avec qui je travaille, ils ont un Master 2 en histoire à la Sorbonne, ils ont fait l'école normale supérieure, ils sont en Master du droit du numérique à Nanterre. Donc, ces gens-là arrivent aussi. Mais c'est vrai que cette logique de conquête du pouvoir, elle est beaucoup plus récente. Maintenant, excusez-moi, mais enfin, la pure technocratie au pouvoir, on a vu ce que ça donne, et franchement, j'ai pas à rougir, hein. Je vous rappelle que la personne que j'avais en face de moi aux élections européennes, on me l'avait présenté comme on m'avait dit « Ouh là là, prépare-toi » parce qu'elle a été dirigeante de l'ENA, elle a fait 8 pays, elle a été diplomate, elle a été ministre, zéro. Hein. Voilà. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut aussi un peu d'humilité pour les élites. Je pense qu'il faut qu'on travaille en bonne intelligence, mais je pense qu'à un moment donné, la politique, ça ne s'invente pas. Voilà. Je pense que la politique, c'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas, qu'on a au fond de ses tripes. Et à un moment donné, pour faire de la politique, il faut une vision. Il faut effectivement des gens pour composer les cabinets, des gens expérimentés. Mais ça, nous en avons. Nous en avons qui travaillent avec nous au Parlement européen. Nous en avons, nous investirons peut-être aux élections régionales des gens qui ont vocation à être des ministrables autour de Marine Le Pen. Aux élections européennes, j'avais derrière moi Thierry Mariani, qui était ministre de Nicolas Sarkozy, Jean-Paul Garraud, qui est un magistrat qui a fondé le parquet national antiterroriste, Hervé Juvin, qui est un spécialiste de l'écologie politique, qui a écrit une 15aine de bouquins, des gens qui ont une expérience dans la société civile. Donc, si vous voulez, je ne suis pas dans un mépris à l'égard des élites, mais je note que c'est vrai que parfois, il y a ce mépris vis-à-vis de nous. Souvenez-vous, lorsque il y a eu ce débat sur le Brexit, on disait « mais ceux qui votent Brexit, c'est les ploucs, les bœufs, ceux qui ne comprennent rien, etc. » Mais je peux vous dire que les gens qui vivent au quotidien la politique qui est appliquée par exemple par l'Union européenne en Angleterre, eh bien, ils ont une conscience politique supérieure parce que la politique qu'ils dénoncent, ils la vivent au quotidien. Donc je pense qu'il faut évidemment de tout. Maintenant, pour vous répondre très simplement à votre question, je pense que les idées, nous les avons. Voilà, on n'est plus aujourd'hui attaqué sur le fond de nos idées. Je me rappelle qu'il y a 4-5 ans, quand on parlait de protectionnisme, tout le monde s'arrachait les cheveux, on nous disait « mais vous allez remettre des barbelés », etc. Aux européennes, on parlait de protectionnisme, les Verts parlaient de protectionnisme vert, les LR parlaient de réformer le libre-échange dans l'Union européenne, la gauche nous parlait de protectionnisme solidaire, et donc évidemment que tout cela a évolué. On va peut-être laisser juste le public poser une dernière question, sinon on n'aura plus le temps. Donc la dernière question du public est attribuée à... Bonsoir Monsieur Bardella. Bonsoir. Alors, On vous a entendu parler de localisme et d'écologie, mais pas du fait qu'en France, les 10% les plus riches émettent 8 fois plus de CO2 que les 10% les plus pauvres. On vous a entendu vilipender le communautarisme, mais pas celui des riches qui ont leur propre quartier, leurs propres écoles privées, leurs propres lois. On vous a entendu parler de la fraude sociale, mais pas celle des patrons qui ne payent pas leurs cotisations sociales, non, plutôt celle d'une soi-disant famille roumaine à 1200 enfants. Est-ce qu'en voulant rassembler le patron et l'ouvrier, rassembler l'actionnaire et le salarié, le RN ne va-t-il pas juste favoriser les inégalités sociales avec un capitalisme productiviste bleu-blanc-rouge ? NPA ou la France insoumise? Non, je plaisante. Oui, alors, bon, comment vous dire? Moi, je n'ai pas de haine contre les riches, hein. Je suis désolé, je n'ai ni de haine contre les élites, ni de haine contre les gens qui réussissent et qui gagnent de l'argent. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un équilibre dans le partage et un partage évidemment dans les richesses. Alors ce qui est marrant, c'est que la gauche nous explique qu'on est d'extrême droite, la droite nous explique qu'on est d'extrême gauche parce qu'on veut trop défendre les ouvriers. Bon, ça, ce sont des poncifs. Je vous rappelle que le premier parti ouvrier de France, aujourd'hui, c'est pas la gauche, c'est le Rassemblement national. Voilà. Que 55% des ouvriers projettent de voter pour Marine Le Pen lors de la prochaine élection présidentielle. C'est plus que la part d'ouvriers qui votaient pour le Parti communiste à l'époque où il défendait encore le peuple dans les années 90. Donc j'ai de haine contre personne, je dis juste qu'il faut évidemment un partage des richesses, je dis qu'il faut lutter contre la fraude fiscale autant que contre la fraude sociale. Je n'ai pas le sentiment d'avoir été stigmatisant dans mes propos, d'ailleurs tout ce que je vous ai dit peut évidemment être assez vérifiable. En revanche, je vais aussi parler évidemment des contreparties que doivent les grandes boîtes lorsqu'on leur donne de l'argent public. Voilà, on va devoir s'arrêter là. Merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venus.